Bonsoir. Et pour le punir, on a envoyé un adulte. Mon Dieu, mais c'est terrible. Bonsoir à tous, et je ne sais pas si on m'entend, mais parce que je ne vois pas encore le chat, mais bienvenue pour cette soirée Silent Hill avec la quasi-totalité de la bande à Pixel. Je dirais même qu'on est... Pourquoi la quasi-totalité? Qui manque en fait? La bande à Pixel. Bah, c'est parce que j'ai perdu 2 kilos. Il manque 2 kilos à Fredo. Donc ce soir, Silent Hill, une début de... Ah non, je joue pas Silent Hill. Oh, mais si. Non, on ne joue pas. On ne joue pas Silent Hill, parce que, messieurs, dames, je vous ai lésé sur la marchandise. Ce soir, nous ne jouerons pas à Silent Hill. Sauf. C'est quoi? Que ceux qui n'y ont jamais joué Non. Ce soir, il n'y a qu'une personne qui va jouer à Silent Hill. Et c'est Hob qui va jouer à Silent Hill. Parce que de l'équipe, on peut dire de Hob qu'il est courageux, mais pas téméraire. Non, oh, il a fait qu'il est flippard. Il a fait non, il a fait la Spartan Race quand même. Il attends, a fait la Spartan Race. Ça c'est téméraire. Je suis désolé. Dans la Spartan Race, il n'y a pas de zombies ou autre croque-mitaine qui l'attaque. Et pourtant, ça serait super sympa. Donc ce soir, c'est la Hob. Race, c'est ça la zombie race. C'est Hob qui s'attaque à Silent Hill tout seul. Donc nous, on est juste à côté pour le soutenir dans cette épreuve difficile. Par contre, prévoyez bien les boules qui est. On ne sait jamais. Ce soir, Hob risque d'avoir des sursauts. Donc voilà. Donc on va. Hob me montre son beau caleçon de Batman. Il est sympa en plus ce caleçon. T'as vu? Et avec. J'avais pas vu ça. Mais... Tous les flamands. Donc c'est super. Donc on vous laisse. Est-ce qu'ils m'entendent là encore avec alors, il ne parle pas des Belges ou des Hollandais hein, quand il dit les flamands. Hein. Oui, non, c'est les flamands roses sur le caleçon à Tom. Non, c'est sur ça son short. Sympa d'avoir des flamands belges sur un caleçon. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il y a des gens sur le chat? Ok, merci beaucoup. Dans une minute, j'y suis. Commencez déjà ton pseudo. Pas flash en tout cas. C'est ça. Oui, il est là. Et il y en a un qui est là-bas derrière. Il y en a un. Oui. Je garde celui-là, c'est bon. Et toi, alors toi. Ça va être le tien, le vert. Put this micro now, ok. C'est celui-là le tien. Ouais. Ah ouais, c'est le vert. D'accord. C'est... Donc c'est toi qui dégage. Regarde, il se met là. Il y en a pas un autre pour moi? Si, il y en avait un que t'as fait tomber tout à l'heure. Il est derrière l'écran de l'ordinateur. Oui, derrière le portable. Ah, c'est pour ça. Oui. Oui, tiens. On va y arriver. On va y arriver. Bon, Hob, je te propose de te mettre en place. Come on. Ah, vous avez vu cette mise en scène? Nous avons mis des bougies et tout. Pouah. Ça fait super pas Silent Hill, en fait, parce que je me rends compte que je croyais que c'était pour faire griller les marshmallows. C'est... Est-ce que les gens ne voient pas? Ah bon? Non, ils voient que le jeu. Bah, ça, ah oui, c'est normal, il y a un temps de lag. Bon, bonsoir à tous, bonsoir. Hob, est-ce que tu es prêt? Non. Ça je tombe sais, bien. Ça tombe très très bien. Hob, juste une question. Attends, est-ce que tu penses être prêt à un moment donné? Non. Hob, est-ce que tu as déjà joué à Silent Hill? 2 secondes. Parce que je vais pas te mentir, qui a joué à Silent Hill parmi nous tous? Toi, Eric, je sais que t'as jamais joué. Je n'ai jamais joué, même pas 2 secondes. Ah, Fred derrière, ouais. Que le 3, ça compte pas. Fred? Non plus. Ça, pour te dire, j'ai même pas vu les films. Alors, le premier est sympa, hein, de Silent Hill. Le deuxième, il y a Jon Snow. le deuxième, je l'ai pas vu. Il est bien. Il y a Jon Snow. Je crois qu'il il est pas bien. Rien dedans. Donc, moi, j'ai un peu joué à Silent Hill, mais je préfère t'avertir, je ne pourrai pas t'aider. D'accord. C'est clair, net, précis. En hard. Non, bah... Donc, en fait, on est en train de dire que personne ne pourra l'aider. Je vais le mettre en normal. Ah, bah oui, bah c'est tellement plus marrant de ne pas l'aider et de le laisser galérer. Donc, voilà, Silent Hill, jeu édité et développé par Konami, sorti en 99. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Après Metal Gear, d'ailleurs, il y avait la démo de Silent Hill dans Metal Gear. C'est vrai, c'est totalement vrai. À savoir, Hob, je te le disais tout à l'heure, mais attention, Silent Hill est un survival horror qui ne se joue pas comme un Resident Evil. Tant mieux. Là où Resident Evil, c'était pas toujours dans la finesse et que c'était beaucoup, beaucoup d'armes, beaucoup de boucherie. De boucherie, on va dire, dans Silent Hill. Dans Silent Hill, c'est tout le contraire. Le principe, c'est que le héros lui-même ne sait pas se battre.
et qu'il peut prendre tout, des baramines, n'importe quoi. Il y a beaucoup de corps à corps. Des barabières. Mais souvent, il faudra que tu fuis. D'accord. Voilà. Tant mieux. Donc je suis assez fort. Il est très fort. je suis très fort. Je suis ceinture noire de fuite. Gandalf aurait été fier de nous. C'est ça. Fuyez, pauvre fou. Ah, ça y est, c'est parti là. Non, 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 non. Ah, c'est alors, parti pour toi, Hob. Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'ils sont chauds sur le chat ou pas? Oui. Alors attends, option. Qu'est-ce qu'il y a en option? Il y a un mec avec une drôle de coupe derrière. Mais alors, language, est-ce que tu crois qu'on peut reculer un peu la webcam pour qu'on rentre tous dedans? Bah c'est, en fait, c'est focalisé vraiment sur. Est-ce que language, essaye de voir, est-ce qu'il y a français ou quoi que ce soit? Ouais, en allemand, ça pourrait être un langage. En bas. En allemand. German. Oui. French. En français. Laisse-le en français, voilà, très très bien. Ok. Exit, c'est parti. Bon, c'est parti, Hob. Alors, je le mets en normal, en facile? En facile. Normal. Bah, normal. C'est toi. Alors, attendez. Non. Ça, non. Là, c'est vraiment lui. Non, déconne pas, si tu mets en hors, t'es dans la merde. Ça, c'est toi, vraiment. Je le mets en normal. En normal. Mais oui. Vous avez vu, il manquait le Resident Evil, mais il y avait quand même le petit truc. Ah. Bon, on laisse quand même les démos parce que c'est tellement top. Il faisait un petit somme dans la voiture. Putain, c'est. Ah, c'est quoi? C'est Sean Bean. Non, c'est pas Sean Bean. Si, c'est Sean Bean dans le film. Mais non, parce que c'est une femme dans le film. Ah, mais c'est la femme de Sean Bean. C'est la femme à George Moustaki. C'est la femme à George Moustaki. Non, parce que d'ailleurs, il est dans le. Ça fait déjà peur. Qui c'est à George Moustaki? Sean Bean. Hop, tu risques de paniquer plusieurs fois, comme je te dis. La fuite, c'est très très sympa, mais fais très attention quand même. Alors. Un petit truc, Hop, quand tu commences à entendre la sirène, c'est mauvais signe. D'accord. C'est que la police va t'arrêter. Généralement, c'est ça. Un autre petit truc. Tu sais s'il y a des ennemis dans les environs parce que la radio que tu vas avoir après grésille à chaque fois. Alors monte le son, s'il te plaît. Je n'ai pas la télécommande, je te propose de monter le son. Alors, c'est à toi. Je regarde un peu. Une grande responsabilité parce qu'il faut pas que je me trompe. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, je regarde un peu. Là, c'est pour courir. Voilà, tu regardes. Je n'ai pas la carte pour cet endroit. Oui, tu n'as encore rien du tout, je pense. Okay. Hein. Je vais monter le son. J'appuie sur le même bouton. Oui, mais moi je suis plus en face. Ah ouais? Eh ben moi, c'est une bonne excuse. Combien ils sont sur le chat là? Je sais pas trop. Comptez-vous. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat déjà? Oui, il y a des gens, ça parle. Ça attends, je monte un peu. Allez, monte. Qu'est-ce qu'ils sont bavards? Si tu restes immobile. Voilà. Non, mais t'inquiète, tu l'entendras. Oui. Hein. C'est juste que là, il n'y a pas de musique. Hein. Alors, il va où? Normal, là, je te propose de faire le tour, de voir un peu. Alors, attends. Voilà, c'est le plus loin où je suis allé déjà. Trouve le bouton. 95 personnes. Eh ben, GG. Je crois que c'était un live attendu. C'était un live très attendu. Hey. Oh, hey, saut de cabri. Ça te servira, je pense, dans différents moments. Où la caméra. Et ok, il y a le. Il y a Eldric. Et en fait, il a envie de péter les micros ce soir. Moi, j'ai l'impression qu'on fait. Il y a plus de spectateurs quand c'est Hob qui joue. Donc, je vais arrêter. Moi, j'aime bien moi. Regarde. Un arbre. Arrêtez de faire le con. Attention, cet arbre va bouger. Débrouille pas. Mais c'est moi. Par toi. Donc il neige. Alors, il va tout seul là. Hein. Tiens, juste où il fallait. Non, n'aie pas peur, c'est juste un petit enfant. C'est juste une normal. Petite fille. Bon, en général, quand il y a personne, il y a du brouillard. Ah oui, est-ce que tu te rappelles pourquoi en fait? En fait, il s'est craché en bagnole, il cherche sa fille, j'imagine. Voilà, et il cherche sa fille, voilà. Ah, c'est sa fille. Donc, c'est sa femme. C'est sa fille. Il faut que tu suives Cheryl, par c'est contre. Sa, c'est sa femme, mais ne la perds pas de vue. Ne la perds pas. C'est sa femme, il les aime jeunes. Oh putain. Et il ira en prison pour ça. En fait, okay. Voilà. Ok, je l'ai perdu. Non, mais vas-y. Ouais, enfin. Fonce dans le brouillard, vas-y. J'ai l'impression de jouer à la 64. Il y a du brouillard. Oh, c'est méchant. c'est méchant. Mais elle est là. Tu ne l'as toujours pas perdu. Celui-là. Surtout que donc 99, c'est un des. Aïe. Ok, d'accord. Le gars qui sait super pas bien jouer en fait. T'as non mais. Va là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est lui qui. Il a pas envie d'y aller, je crois. C'est un des derniers jeux. C'est un des derniers jeux de la PlayStation. On dirait que t'es bourré un petit peu là. C'est un problème avec l'analogique, hein, non? Ah c'est bon. Ouais, je joue au stick. En fait, il faisait exprès. Alors oui, le soft est aussi connu pour ses musiques. Non, il y aura des musiques et je te promets que c'est pas les musiques les plus joyeuses au monde. Alors, c'est bien, on se croirait à Toulon un dimanche. c'est méchant pour Toulon. Bon, par contre, il y a des gens qui veulent que tu reviennes à Toulouse. Hein. Ah. Bah il finit Toulon là et le prochain niveau c'est Toulouse. Beware the dog. Voilà. Ah
Attention, okay, je... Bien sûr, bah je rentre, hein. Je crois qu'il n'y a plus de problème avec le chien. Ouais, je crois que le chien est plus là. À mon avis, il avait avalé quelque chose de pas. Alors, avance, avance, vas-y, vas-y. Oh putain, s'il m'a dit habiter à Resident Evil, fais chier. Ah, c'est inversé. C'est inversé, tu veux dire? Ouais, ouais, c'est relou ça. Par contre, ce qui est super bien, c'est que les plans de caméra sont vraiment énormes, regarde. Ce style, j'ai envie de vomir. Voilà, non, parfait. Pour ça aussi, il y a des gens qui voudraient que tu reviennes à Toulouse. Pour vomir. Non, mais moi je trouve ça énorme. Moi je vomis pas à Toulouse. Ah bon? Ah non. Tu devrais. C'est pas mal ce qui paraît. Là pour l'instant tu fais trop le malin. Quand tu vas avoir beaucoup d'ennemis, tu verras que tu feras pas autant le malin. Ah oui. Ah. C'est étrange. Il fait plus sombre. Il est 21h. Oui, il fait plus sombre. Et c'est le signe annonciateur. Que j'allume le briquet. Que surtout tu risques de prendre très très cher très vite. Oh putain. En clair. Alors j'ai une question là. Quand tu imagines qu'il meurt, il recommence du début du niveau ou comment ça se passe là? C'est une très très bonne question. C'est un. Parce que là, Superman est par là. Tu dis il va prendre cher, mais il a rien pour se défendre en même temps. Donc, ça va venir progressivement. Il faut qu'il trouve des. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Un corps. Du sang. C'est du ketchup. Quelqu'un a fait une sauce tomate ici. Putain, la caméra bouge. Hein. Ça me fait penser à Paranormal Activity. J'ai la pas façon vu. Dont c'est filmé. Je l'ai pas vu. Moi non plus. Ah, d'accord, merci. Okay, mais merci. J'ai vu les bandes annonces. Ah, on vient de se taper un offline. Ah bon? Ça m'étonne pas. Si, si, là on a plus l'image qui est diffusée. Mais start. Pause. Les gens aussi le disent, c'est pas que chez moi. Peut-être que c'est Twitch qui. Qui pense boob. Est-ce que tu crois que c'est... Pour l'instant, tu t'en sors bien. Hein. Ouais. mais non, mais ils nous entendent pas, là, non? Si, ils entendent les voix. Ah, ils nous entendent quand même. Ah, oui, mais ils voient pas l'image. Mais ils ont toujours le son. Je pense qu'il y a le son. Est-ce que vous avez toujours le son? Je pense pas. Hein. Alors, mais start, parce que ça serait dommage qu'il loupe ton premier monstre. Mon premier monstre. Ton premier monstre. Je me rappelle. Je sais. Ah oui, je vais être ultra sadique ce soir. Je préfère. Je croyais qu'on était là pour le soutenir. Non. Par contre, si quelqu'un veut aller voir là-bas. Ah, qu'est-ce qu'on doit. En train de revenir. Ah ok. Ah donc c'est bien Twitch qui doit ouais. Qui doit merder alors. Ça revient. Alors, le logiciel clignote par contre. Oui, il clignote toujours quand ça enregistre. Alors on a mis sur pause les amis, c'est fait exprès. Hein. C'était pour que vous puissiez voir le premier monstre là, de Hob. C'est pour le moment, c'est revenu, ça y est. Ah, okay. Bon, allez, c'est parti. Allez, on y retourne. Hob, reviens. Allez, avance. Je suis sûr que tu ne sais pas où tu vas là. Non, c'est bien, vas-y. On se croirait à Fort Boyard là. Ouais, prends la clé. Ça. À gauche. Putain, mais oula. C'est super. Hop. Qu'est-ce que c'est? What is this? Un squelette? Enfin, moi je serais déjà parti en courant. Hein. Ouais, non, oui, mais non. Vous remarquerez que cet homme est très. Ah, qu'est-ce que c'est? Fais-moi la paix! Casse-toi! Ils sont beaucoup, casse-toi! Mais... Casse-toi! Fais-moi la paix! Laissez-moi tranquille! J'ai pas d'argent! Et t'as pas d'armes sur toi? Je suis mort. Augmenter la luminosité pour les gens, ils voient rien. Alors, je te le dis, c'est fait exprès. On voit pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors là, augmenter la luminosité, c'est mort. Hein. Alors, je te le dis, c'était fait exprès. Ça va, ou con? Ah, c'était un cauchemar. Ah, ça va en fait. Ah bah c'est mieux. Bien sûr, tous les flics ont des pantalons en cuir. Ah c'est Aya de Parasite Eve. Elle ressemble. Eh hey. Hey, eh toi, Bobby. Ça commence un peu comme un porno. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus fais sombre. Fais voir. Ouais. Oh, ah oui, c'est vachement plus sombre même. Je sais pas, est-ce qu'on peut tenter. C'est dans le jeu, non? Ou sur la télé, les vrais? Bah non, parce que c'est plus sombre là, donc c'est peut-être là, on peut. Est-ce qu'on peut voir. Attends, je vais voir si je peux pas. Option. Je vais éclaircir. Brightness level. Merci, je parle anglais. Ça... Je sais pas si ça a changé grand chose. Alors. Alors. Je vais vous dire ça dans 2 minutes. Hop là. J'ai eu peur. La bougie qui vient de tuer. Ça fait rien, ça fait rien. Donc là, tu es dans un snack typiquement américain. C'est nickel. C'est super. Va voir le flipper. Non, c'est pas une énigme, c'est vraiment un flipper. Touche pas.
Alors regarde un peu, hein, comme tous les Resident Evil ou autres Survival Horror. Par exemple, tu as une lampe là. Cool. Vous la prenez, tu dois avoir un plan aussi, qui est juste à côté, voilà. Il y a une carte du quartier résidentiel, oui, bien entendu. Non, on la prend pas. Bah oui. Ça sera plus marrant, ça. Et ça, c'est quoi ça? Une bombe lacrymo, non? Ah non. Une boisson vitaminée, vous la prenez? Oui, parce que dans Silent Hill, il n'y a pas de plantes. C'est des boissons à la Juvamine. D'accord. Et si Juvamine? Un bloc-notes? Si je vais bien. Voilà. Alors, c'est certainement une note. C'est pour sauvegarder. C'est pour sauvegarder les bloc-notes, oui, voilà. Non, on ne sauvegarde pas maintenant, ce serait bête. Ils n'ont pas fait une machine à écrire, ils ont mis les bloc-notes. Café. Voilà. Oui, café. Merci. Alors, est-ce que... Oui. Volontiers. Allez, it's okay to write. It's okay to write. Ok. Voilà. Alors maintenant, fais le tour un peu. Joue au flipper. Je suis pas une machine qui ne marche pas. Super. C'est nul ce jeu. Donc, toi qui voulais passer la soirée au flipper. Où est passé la. Charlie ? Oui. Ah, sur les tables. Ah, tiens, regarde, il y a la radio. Il y a un couteau, tu vas pouvoir te défendre. Je crois qu'elle t'a laissé la radio, voilà. On n'entend rien, mais tu vas quand même la récupérer. Non. Non, tu vas pas la récupérer parce que tu peux pas. Il y a un couteau et une autre boisson vitaminée, récupère-les alors. Avant de sortir. On m'a dit que les bloc-notes sont limités. Ah, c'est. Oui, c'est pour ça qu'il fallait pas sauvegarder. Comme les tampons encore, je suppose, dans les premiers Resident Evil. Ah. Non, dans tous les Resident Evil. Un couteau de cuisine. Ah bah oui, on va se faire des sushis. Tu comprends que les armes avec munitions ne te serviront pas à grand chose dans le jeu. Ils sont un peu bordéliques dans ce café quand même, laisser le couteau comme ça traîner. Alors je pense que quand tu vas sortir, à mon avis, c'est la radio va grésiller. Alors je vais m'équiper du couteau, j'imagine. Ah, j'ai une arme quand même déjà. Ah oui, ouais. T'as une arme, c'est parce que c'est la flicette qui te l'a donné. Qui t'a filé l'arme. On a passé la cinématique et on l'a pas vue. D'accord. On fait, vous avez passé la cinématique. Mais non, ah ouais, elle s'est éteinte toute seule. Non, c'est moi qui l'ai passé pour pouvoir mettre les options. En fait, j'appuie sur select. Ah merde, dommage. C'est pour augmenter la luminosité. T'as deux couteaux là? Non, c'est le couteau que j'ai équipé, je pense. Un dans chaque main. C'est machette en fait. Ah oui, c'est ça. Ah ok. What's that? Cet homme a l'air ultra surpris. What's going on? C'est vrai qu'il est. Il joue l'émotion, hein. Oh mon dieu, j'ai peur. Nous dirons que c'est un peu le Kenny Reeves de Silent Hill quand même. Ah. Oh, il y a des vandales. Wouah! Oh là là, oh là là! Comment on les défonce? C'est quoi le bouton? Non, c'est pas ça. Je vais prendre la carte. T'as vraiment appuyé sur Start ou Select là? Fais gaffe, non, j'appuie sur triangle. Mais tu sais comment te battre avec? Pas du tout. Carré ou croix? Non. Mais avec la gâchette, je pense. Gâchette et tu. Arrête d'appuyer sur triangle. Voilà. Vas-y, gâchette. Ouais, je. Et après sur carré ou n'importe. Voilà. Alors est-ce qu'il y aurait. Et tu es mort. Ok. J'ai pas compris. Heureusement que tu l'as sauvegardé. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un bouton pour viser et l'autre pour... Non, entre guillemets, passe derrière. Ah, L2. Ce qui permet de mieux voir ce qu'il y a directement devant. Ah, L2. Merci de me donner ce conseil maintenant. Oui, c'est vrai, c'est game over. Te dis, on te donne un conseil quand tu meurs. Attends, c'est continue ou load, là? Bah, ouais, c'est pareil. Alors. Est-ce que tu as tout récupéré? Regarde, va regarder sur le bar quand même pour voir si tu as vraiment tout récupéré. Oui, c'est bon, tu es muni. Alors. Ok, là j'ai la cape. Non, il y a un truc. Ah non, c'est le bloc-notes. Ouais. C'est bon, non, tu as sauvegardé, on a tout récupéré. Non, je sais pas. Ah non, tu avais pas appris les. À côté. Il se met dans des positions bizarres. Hein. Ouais, j'avoue. Il se met un peu comme. Bombe, un peu. Par contre, les gars, je pense que c'est l'arme qui serait mieux parce que là, c'est vraiment devant lui. Hein. Le truc, il est en l'air. Hein. Tu devrais prendre le pistolet. Enfin, allez, je prends le pistolet. Bien parce que c'est toi. Bon, il y a 15 balles par contre. Déconne pas trop. Oh putain. Elles sont chères. Il en faut 10 pour tuer un ennemi, c'est bon. Ah, super. Donc après, tu pourras tuer à moitié rien. Ah, d'accord. Alors. Bon, ça, on l'a vu. Mais on est obligé de se le retaper. What's going on? Who's this radio? Il faut faire carré, triangle rond, croix, et un smombi va apparaître. Ah, d'accord. Ok. Au début, j'y ai cru. Moi aussi, mais... Mon téléphone. Top, oh, tu l'as eu! T'énerve pas, Oh Batman, tu fais moi le malin! Ah, c'est Man-Bat plutôt! C'est Man-Bat plutôt, ouais! Par contre, tu peux prendre la radio à mon avis maintenant! Vas-y, marche dessus là! Défonce-le, paillasson de mes fesses! Non, mais sois joueur un peu, ne prends pas la radio! Non, je vais reprendre le couteau! Il faut jamais l'inviter, Jorus! Non, jamais! Mais je l'ai pas invité moi! Il est sorti du placard tout à l'heure! Récupérer là! Je crois! Maintenant, tu peux sortir! Je pense que tu peux sortir!
J'ai pas envie. Non, parce que dehors c'est pire, fais gaffe. Ah oui, dehors c'est pire. Il neige. Là, le truc qui volait, il y en a plein dehors, je crois. Et en plus, il neige dehors. Et ça, c'est pas cool. Alors, blague à part, il va en avoir encore. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit, la fuite, parfois, c'est le meilleur moyen de survivre plus longtemps. Où est donc parti Cheryl ? Où est donc parti Cheryl ? Je devrais vérifier à nouveau cette allée. Mais Cheryl... cette allée est tombée ou... Alors, regarde. Cheryl Crow. Je n'osais pas faire cette blague. Finet. Donc, tu dois retourner dans l'allée où tu as été tout à l'heure. L'allée. Donc, tu prends à droite. Enfin, à gauche. Donc là, tu vas à gauche, voilà, et ensuite... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, bon, ben voilà. Et après, c'est à gauche à un moment, mais... Je crois que tu l'as peut-être dépassé. Non, non, c'est à gauche. Non, à gauche. Ton à gauche ? Ouais, ouais. Mais t'es peut-être allé trop loin, même. Ben voilà, c'est bien. Tout droit. Oh, il faut deux boutons pour équipe. Ouais, c'est celle-là, c'est celle-là. C'est oui, là. C'est bon. C'est... Non, c'était là. C'est où ça ? Finney Street, là. Tu vois, dans ton dos, là. Ok, là, tu es à droite. Non, il y a la radio. Mais non, c'est pas la radio, là, ce que t'entends, là. C'est un truc de voix ferrée. Ouais, c'est ouais. Ça, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, non, ça ne ouais. Fait pas ce bruit-là, la radio. C'est pas des bêtises. Je te dis pas de bêtises. Et après, c'est la petite allée qui sera sur ta gauche. Ah, il faut deux boutons je pour... Je fais ton GPS si tu veux. Mais non, mais il y a un mur là à gauche. Ah oui, c'est après, c'est après. N'écoute pas Jorus, surtout pas. Il ne veut que ta mort. Il ne veut que du bien à ta mort. Tu reconnais ? Ouais, il y a une voie ferrée au fond du chemin, ouais. Tu reconnais cet endroit ? Ah oui, trace. Il y a encore... Trace. T'as le couteau là ? Il y a la radio. Oui, là, par contre, c'est la radio. Vite, trace. Ah bah ils sont revenus les chiens. Ah, tu les évites. Ah oui, mais il a raison. Ah, attends, c'est bon, après je vais rebrouiller des bardeaux sur le dos et tout. Ouais, tu peux fuir, mais il y a quand même des moments où tu vas devoir les défoncer, hein. Je préfère t'avertir. Quand il y a des boss. Quand il y a des boss. Ah, on peut pas fuir les boss ? Non, on peut pas fuir les boss, non. Alors, vous êtes conscient que je finirai jamais le jeu ? Si, mais si. On prendra le temps qu'il faut. Combien de temps ça se finit ce jeu ? En combien de temps ? C'est une bonne question. Je pense que les plus assidus pourraient le terminer en 5-6 heures, je pense. Déjà que j'arrive pas à marcher droit, tu sais. Je vais aller voir. Ouais, c'est sûr. Et en étant bourré, combien de temps ? Parce que là, visiblement, son personnage. 2-3 ans. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Pour m'équiper. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là ? Regarde, par terre là. Avance. Ça, c'est une question qui veut dire oui, il y a des trucs à récupérer par terre. Là. Ouais, bien. Une boîte d'allumettes ? Non, non, c'est des cartouches. Ah. Il y en a encore. Des balles de pistolet. Alors là, normalement, je crois que c'est des dessins de Cheryl. Sympa. Ah, ouais. Et papa, une baramine. Ah, bien. Non, un tuyau d'acier, je suis désolé. Prends le tuyau et tu devrais... je vais échanger, ouais. Ouais. Et prends les dessins, peut-être. Ah, à l'école. Ça c'est un indice. Il faut que tu ailles à l'école. Lido ? Je sais pas. Où est-ce qu'il faut aller, à ton avis ? Ils disent qu'il est court, mais ils précisent pas la durée. Alors... Oh, c'est loin. C'est loin, mais tu peux y arriver. Qu'est-ce que t'as dit ? Tu as un autre dessin là. C'est court, c'est le défaut du jeu. Tant mieux. Que les monstres sont très simples à tuer. Ah, d'accord. Les énigmes sont dures, mais faciles à trouver rapidement. C'est... Non, j'ai pas ramassé. Attends, excuse-moi. Pourquoi tu fais ça ? C'est pour qu'on on voit bien sa tête. On le voyait très bien, sa tête. Alors, c'est bon, tu ne peux pas le récupérer, donc non. Je ne pense pas que tu puisses aller vers là, si ? Non, il faut aller à l'école, je pense. Ouais, c'est bon. Alors là, il faut que tu rebouches chemin et que tu ailles à l'école maintenant. Oh, il y a les chiens. Sachant qu'il y a les chiens et tous les autres. Ouais, mais là, avec mais le comme tuyau je te l'ai d'acier... déjà dit, tu traces. N'essaye pas de les défoncer, les chiens. Si tu peux passer à côté, c'est mieux. C'est les ennemis, tant que tu peux les éviter, c'est aïe. Mieux. Ouais, mais tu gagnes pas d'expérience. N'oublie pas qu'il y a pas d'expérience à gagner là. Il est malin, Stargold. N'oublie pas qu'il y a Pyramid Head aussi, hein. Qui est le genre de némésis du jeu. Hein. Non, vas-y, défonce-le, en cas. Il a peur de toi, regarde, il a peur de toi. Ah, il me semble pas qu'il soit. Ah, fous-moi la paix. Défonce-le, défonce-le. Mais défonce-le s'il te saute dessus.
Mais ça va, ils te suivront pas, t'inquiète. Putain, il y avait Denver là. Des trucs volants. Ouais, il me semble pas que Pyramide. Mais même en courant, il marche quoi. Qu'est-ce que c'est? Là, de l'autre côté, non? Ouais, il faut que tu ailles de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté. C'est, ouais, il me semble. Là? Non, derrière toi, justement, dans ton dos. Voilà. Oh non, de toute façon, dans les jeux vidéo quoi. Non, t'as... pourquoi toi, t'as tout là non, l'orientation. Voilà, tout droit là, vas-y. Non, c'est pas vrai. Vite, cachons-nous sous les arbres, cachons-nous sous la voiture. La voiture. Ah, quelqu'un démarre. Ah. N'oublie pas, à gauche maintenant. Il est plus rapide que toi, je crois. Hein. On va réussir à trouver. Mais je sais pas. Si tu fais des pas de côté, tu vois plus. Petit pas. Mestard, regardez le plan. Le plan, pardon. Oh, on a tourné trop tôt, il faut que tu fasses machine arrière. Non. Enfin, continue et tu prends à droite. Non, je peux. Continue et prends à droite. Allez, continue la prochaine à droite. Qui n'est pas là. C'est pas. Oh là là. J'avais même pas vu. Fais gaffe, y'a Paper Boy. Il balance le journal. Y'a les chiens qui te poursuivent. C'est là. À droite. Ok. Oh ah. Merde. Ok, je peux pas y aller. Ça va. Regarde, c'est peut-être des trucs ça. Oui, c'est sa note de maths de la semaine dernière. Recouverte de sang. Niche de chien, rue. Rue Lévin. Ah, mais on était dans la rue Lévin justement. Ah, tu les as récupérés. Ouais, ensuite. Et là. Ah. Tu peux pas les récupérer ceux-là? Je crois pas, j'appuie sur croix mais... Non. Niche de chien, rue Lévin. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut que tu ailles dans la rue Lévin pour récupérer les niches de chien? Pour récupérer quelque chose dans la niche de chien. T'es sérieux là? Bah non. Mais... Bah je pense. Moi mais je dirais qu'il faut d'abord aller à l'école. À l'école. On y était dans la rue Lévin là. Ouais mais il faut d'abord aller à l'école, on a eu d'abord l'indice pour l'école. Moi je suis là. Donc prends droite et gauche. Donc droite, là, je prends la prochaine à droite et je redescends. Ouais, droite. Reste sur les plates-bandes pour voir si on trouve pas. De toute façon, voilà, tu retournes sur la rue Lévin. Allez, droite. C'est parti. Ah bah là, il y a un chien. Un chien, mais il n'y a pas de niche. Eh non ! Vite, casse-toi ! Ah putain ! Défonce-les avec les barabines. Mais ça marche pas ! Mais en fait, il faut que tu mettes la gâchette en même temps. Mais je le mets, gâchette. Alors, bah voilà, d'accord, ok. Je pense qu'il faut aussi appuyer d'accord. Quand il n'y a plus le chien. Bah casse-toi, parce que à mon avis... Va sur les plates-bandes de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas la niche. Heureusement qu'ils sont pas doués, les chiens, quand même. Ou prends une boisson vitaminée, parce que là, à mon avis, tu vas te faire défoncer, là. Ça, c'est pas une mauvaise idée, ça. Non, t'es orange. Ah ouais, rouge. Il est rouge. Putain, ouais, tu vas okay. Allez, go. Vers le bas. De l'autre côté. Là, tu remontes, là. Attends, je fais le tour. Mais non, parce qu'en fait, je pense qu'il devait faire le grand tour. Il devait remonter, parce que là, à mon avis... Watch. Bon, on prend l'arme, au pire. Ah non, mais sérieux, quoi. C'est relou. Ah non, ouais, non, mais il est chiant, ouais. Faut la paix. Ils sont pas très rapides, hein, ces chiens, heureusement. C'est dommage de mourir avant d'aller à l'école. C'est trop laid ce que je viens de dire. Je sais même pas où on est. Non, mais là tu viens de. Aller dans l'allée. L'allée de Satan. Avec Kurt Lazarus. C'est ça. Et Toby Maguire. Mais alors vas-y. Mais. La carte. Mais la carte. D'accord. Là on est de. Là. Oh putain. Oh con, t'es revenu. Ah d'accord. Mais de toute façon c'est bouché les autres trucs. Donc il faut que je prenne la prochaine, je tourne à droite. Donc non, en fait, c'est bien ce que je disais. Il fallait que tu prennes la rue Finet et tu fasses tout le tour sur Midwich. Oh, j'ai l'impression de chercher une adresse avec ma femme, tu sais. C'est bien ce que j'ai dit, il fallait tourner à droite la dernière fois. Non, hein. Mais c'est vrai, regarde. Et en fait, il fallait que tu prennes la rue Finet là. Bah oui. Et que tu redescendes sur la rue Midwich. Là, s'il continue tout droit et qu'il redescend, ça reviendra au même. Mais non, puisque tu vois bien, là où il y a les croix rouges, c'est qu'il peut pas passer. Ouais, mais ça doit être que le haut, c'est où c'est tout. Eh ben c'est bon, regarde, je la rue, justement. Je prends la prochaine à gauche et je remonte vers la rue Finet. Ouais, allez, on repasse au café au cas où tu peux récupérer de la vie, je sais pas. Sinon, il descend jusqu'à Bradbury et il remonte après. Bon, autrement, on met le tom-tom là. Allez. Allez. Tourne à gauche, on peut pas. C'est plus loin. Non, je vais passer par les toits. Fais gaffe, il est plus rapide que toi, n'oublie pas. Et t'es presque mort.
Et t'es prêt à gauche, à gauche, à gauche. Si tu veux un peu, si tu fais deux. On a Nera Tiller qui nous dit Hob a du sang de fille, aucun sens de l'orientation. Alors j'ai un très bon sens d'orientation, sauf quand il y a du brouillard que c'est pixelisé et qui fait noir. Lol. Et que t'es poursuivi par des zombies. Merci Nera Tiller, c'est merci. Remets la carte. Tu veux qu'on reparle du sens d'orientation, toi? T'as dépassé le café. Allez, là, une fois. Là-bas, 2h du matin. La prochaine ouais, une fois, j'ai oublié de tourner à gauche, quoi. La prochaine sur la gauche, là. Donc là, n'oublie pas de tourner à gauche. Alors, on me dit qu'il y avait une clé dans la niche pour les chiens. Ah bah oui, mais tu bah, d'abord l'école, parce que si on peut reprendre de la vie là-bas... Est-ce que c'est une clé qui est importante pour, la... pour l'école? Bon, on verra. Putain, prends la vitamine, là. Hein. Je suis désolé de te le dire, mais... Ah, ouais, ah on est vert, c'est bon. On est vert. On est vert, c'est bon. On est vert, c'est bon. Alors, bah à gauche. À gauche et après tout droit jusqu'au bout. Dans 500 mètres. Tournez à gauche. Ok. Non, je m'entraîne. Ouais, bah entraîne-toi. Il faut trouver la niche avant d'aller à l'école. Oh merde. Ah merde. Eh bah c'est bon, on va passer devant. Et les gens nous disent la niche en premier. La niche en premier. Mais j'y vais là, Levin Street. Voilà, ce sera sur la route, c'est à gauche. La première à gauche du coup. T'es sûr là? Non, tape, tape, non, 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 pas l'aller, là, celle d'après. Reviens, pardon. Reviens, continue. À tâtons. Allez, vas-y, go. À gauche. Rate pas Levin Street. Vite, go. Il y a Predator là. C'est là Levin Street. Ouais, alors maintenant il faut chercher. Choper la niche. Non, mais la niche, elle doit être sur un des bas-côtés. Au pire, défonce-le, lui, hein, parce que peut-être qu'il reviendra pas quand tu l'auras défoncé une fois. Hein. Prends l'arme. Je pense pas. Hein. Il te reste combien de balles? 9. Économise tes balles. Hein. C'est pas Resident Evil où, quand, à mon avis, quand tu tues les ennemis, ils ne repopent pas. Hein. Ah, mais lui, il en veut, lui. Hein. Bah, c'est bon, il... Putain, faut viser, en plus. Oh! Par contre, il faut viser. Non mais il voulait juste lui faire peur et ça a marché. Bah. Mais ah c'est quoi? Fuck. Mais essaie de rentrer dans un immeuble. Par contre, elle peut taper le digicode et taper à ta porte après. Quoi? Quoi? Non c'est quand même. La chauve-souris de Bigard. Ouais. Oh, ils sont deux. Allez, Mino, ils sont 40. Les monstres repop. Génial. Ah rien de les tuer. Donc ne tire pas. Donc je. Plus que 6 balles. Mais ah non, il en a 22, il a pris deux cartouches. La barre de fer. Mais c'est super. On peut tout faire avec la barre de fer. Merci Fred pour toutes ces précisions. Mais. Il y a toujours pas de niche, bien sûr. Je vous en prie. C'est un. Il y a une niche. Ah putain, il y a un chien aussi, ouais. Bah oui, c'est une niche. Attends, c'est une niche. Vas-y, continue. Ah, le timing pour te frapper, il a l'air horrible. Ah, quoi. C'est abominable, quoi. J'ai l'impression qu'il a de l'arthrose, le mec, quoi. Ah, mais sérieux. Ah, mais attends, c'est abusé, quoi. Ah, c'est une baramine, elle fait 200 kilos. Bon, pas... Étendu sur le plancher en quittant le mode... Après, en tapant sur la touche action, Harry frappe ou marche alors sur cet ennemi pour le tuer. Ouais, enfin, faudrait déjà qu'il soit à terre. Il faudrait déjà qu'il soit à terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'as mis sur quoi là? Continue. Ça veut dire qu'on va se retaper le snack là? Non. Oh, j'espère si, pas. Si, bah si, on va se retaper le snack. Non. Ah non. Ça va, c'est un checkpoint invisible en fait. Hop. Hey. Hop. Hey. Quand on arrive en ville. Bon, par contre, tu sais maintenant que tu dois aller à la niche avant. Ouais, alors c'est par où? À la niche. Voilà. Est-ce que tu peux aller chercher la clé dans la niche sans avoir eu l'indice de la niche? Ouais, oui, c'est ça. Oui, je pense. Ouais. Parce que n'oublions pas la logique dans les jeux vidéo. C'est vrai. C'est tant que tu n'as pas eu un papier qui t'indique que tu peux aller à la niche, l'indice n'y est pas. Puis il y a quelqu'un tu penses qui te dépose. Bah, alors, dans certains jeux vidéo, c'est comme ça. Rappelons-nous, hein, la logique dans les jeux vidéo. Oh là 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 là. Allez. Très belle esquive. Le torréador. Attends, il est super relou à jouer ce jeu. Mais osez pas choisir un bon jeu un peu. Ça serait pas mieux avec la croix? Si tu jouais avec la croix, non? C'est pareil. C'est pareil. Ouais, la croix de Play 1, elle était horrible, si je me souviens. Ok. Il t'a cherché des poux dans la tête, celui-là. À gauche. À gauche, Kiki. L'autre gauche. Oh, mais il est relou, lui.
Oui, la fuite c'est bien, mais contre les ennemis qui sont plus lents. Allez, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Si tu prenais la barre à mine, vu qu'il y a le chien, ou le couteau, ça... Prends l'arme. Ouais, tu sais quoi, prends l'arme, vas-y. Ouais, mais il faut viser avec l'arme. Oh. Prends la juve à mine, prends la juve à mine. Non, pas encore, pas encore. Bon. Non, c'est bon, c'est bon. On y est sur la rue Lévin, là ? Oui, ah, alors mets-toi à sur ta la droite. Droite. Dans la contre-allée. Vas-y. Hob réussira-t-il à toucher le chien avec le revolver ? Hob, c'est net. Alors moi je mets... Ok d'accord, ah, bonjour. Écoutez, plan vigilance là. Alors moi je suis le... Ouh, je suis le gars qui surveille les voisins. C'est opération tranquillité vacances. C'est ça. Messieurs, dames, restez chez vous, ne vous en faites pas. La police veille. Il y en a là, il y en a, défonce-le ce méchant. Avant qu'il te voie, trop tard. Mais oh mais... Ah mais attends. Ah, c'était vraiment un de ses gros défauts, la caméra. Mais non, mais en fait, il faut... Mais comment tu fais pour viser avec ce jeu? Ah, tu l'as touché, là. Ouais, il va mourir. Ah bon? Qui? Oh, ou le chien. Ah. Prends Juvamine, prends Juvamine. Ouais, t'as eu le chien, t'as eu le chien. Tu l'as eu. Ah non, ça va. Ça va. Bon, fais gaffe. Va dans la cage, dans la niche. Vite! Vas-y, va te faire. Voilà. Allez, meurs. Tue-le, marche-lui dessus. Meurs, pourriture de communiste. Ah, ah sérieux? Mais il est arrivé d'où, lui? Est-ce que t'as vraiment pitié, Fred, là? Non, mais c'est énervant. Ah, j'ai pitié, pitié. Oh, c'est horrible. Allez. Oh, j'en ai tué, toi. Reste par terre. Et bon, la alors, niche. Maintenant, foutre. On devrait être tranquille. Allez, vas-y. Sérieux? Eh ouais. Il faut d'abord aller chercher l'indice. C'est ce que je disais. Bon, oh, mais. Là, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas sur la droite. Non, t'es obligé de trouver l'indice. De trouver derrière l'indice, toi, dans ton dos là. De trouver l'indice. Tiens, meurs. Ouais, c'est séquentiel, on est obligé de faire une étape par une étape. Voilà, oh shit. Oh, y'a Xendar qui veut que tu dises bonjour et il spam depuis. Xendar, je te fais un gros bisou, je te dis bonjour. Allez, bye. Ok, génial. Alors là, tu pars à ta droite et c'est en fait la prochaine à droite où il y avait les indices. Heureusement qu'on a Argol avec GPS, nous, c'est mon deuxième gros surnom. Sens de l'orientation. Ah, alors c'est faux en plus, j'ai un sens de l'orientation détestable. Attends, je comprends pas. Tes parents t'ont appelé Ryoga en deuxième prénom. Oui, mais. Prochaine bon, à droite. Voilà. Je crois que c'était par là. Hein. C'est ça, là tu vas tomber sur le cratère et il y aura les notes. Ah. Non, c'est pas ceux-là. C'est ceux d'en bas. Tu ne peux pas les lire, hein. Et on retrouve encore une fois la logique dans les jeux vidéo. Niche, rue Lévis. Voilà. Bon, maintenant allez, tu peux te casser et retourner à la niche où il y aura. Et donc ce sera sur la gauche. Mais si ça se trouve, c'est pas la bonne niche en fait. Ça. Si, parce qu'il y a marqué rien de spécial et tout. À droite, à droite, à droite. Non, c'est là, c'est là, c'est bon, vas-y, continue. On est à l'envers là, Fred. On est de l'autre côté. On arrive de l'autre côté. Ah d'accord. Et là, comme par hasard. Allez, la clé de la maison est cachée dans la niche, vous la prenez ? Maintenant, bon, go bien. À l'école. Ah non, mais c'est pas par là. Ah ouais, vas-y. C'est la clé de la maison, pas la clé de l'école. Bah ouais. Oui, bien joué, Mino. Et si on allait cacher la clé de l'hôpital dans l'école? Non, ce que je disais... Excuse-moi, d'accord, il faut un rubis bleu et rouge pour avoir le magnum dans Resident Evil, d'accord? Est-ce que t'es sûr qu'ils rentrent dans la maison, quoi? Moi, j'ai peur. Oh, il y a des trucs, regarde. Il y a des trucs. Ah ben voilà, il y a une plante verte, c'est bon. On va pouvoir fumer on des cannabis. Jamais être qui vibre, c'est un peu stressant. Ah oui, bien. Sois joueur. Non, par contre, il te reste plus de juvamine? Non. Et plus de trousse non plus. Ah putain, la trousse de soins t'as pris? Ah oui. Ah mais j'étais rouge. Ah bah c'est pas de ma faute si tu cours. Communiste. Quoi. Allez, mais avant, alors, ça n'est pas peur. Regarde le mec. J'ai pas peur. Non, je veux pas y aller. C'est quoi là quand t'arrives dans la grande pièce? Arme-toi. Ah, mets-toi, voilà, comme ça. Palap, 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 palap. Il y a des trucs sur le côté. Tu peux sauvegarder. Et il y a des... D'abord, prends tout. Non, non. Prends tout ce qui est. Puisqu'on est dans le survival Aurore, il y a au TGS. Oh, ils ont même pas d'écran plat. Il
au TGS en décembre, il me semble qu'il y a Frédéric Reynal. Oui, il y a Frédéric Reynal, papa de d'Alone in the Dark, entre autres. Papa du style survival horror, puisque c'est lui qui avait fait donc le premier avec Alone in the Dark. C'est vrai. C'est alors vrai. Ouais, faut savoir que Mikami s'est beaucoup inspiré de Alone in the Dark pour Resident Evil. Il l'a lui-même dit, hein, c'est pas... Donc Dog House, parce qu'il y avait des chiens. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas une note là sur la table ? Regarde, là-bas, là. Et une cafetière. C'est la liste des courses. Alors, mais ça peut être intéressant. Ah, il y a du jus Vamine là-bas. Je l'ai vu sur la cuisine. Ah non, il n'y a rien là. Ok, t'as envie de manger toi, non ? T'as envie de te mettre à table ? Avance, voilà, là, ah, du Vamine. Je te déconseille d'ouvrir le frigo. Ça non, je te conne. Tu devrais pour. Je te déconseille de soulever le couvercle de la marmite aussi. Je déconseille la mousse au chocolat du chef. Du patron. Du patron. C'est un réfrigérateur. Et vide. Non, il est vide. Et comment il le sait ? Comment il le sait, était ? Ouais, il est vide. Il n'y a personne. Mais si. Entrez ! Il y a Indy à l'intérieur. Essaye de passer par derrière ? Non. Lol. Tu dis ça. Lol. J'essaie de monter à l'étage. Indiana Jones 4 ? Il n'y en a pas 4, Indiana Jones 4. Allez, c'est bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ? Il n'y a rien à la télé. Il dit. Y a elle une télé, pas mais branchée. elle n'est pas branchée. Elle par contre, il y a une Nintendo en boîte et tout. Je prends. Pourquoi elle n'est pas branchée ? C'est, si tu la poses au milieu de ton salon, c'est. Fin... Donc il n'y a rien. Évite de passer devant les fenêtres comme ça, tu me fais peur. Alors moi, il faudrait faire le tour de la maison pour voir si les volets sont ouverts. Bah, alors, c'est bien l'opération tranquille. Ou bleu vacances. Là, est-ce que tu peux aller à gauche là ? Est-ce que tu peux prendre la porte là ? Oh. Il y a trois verrous. Donc trois clés. Est-ce qu'il y a un plan là ? C'est le plan de la maison. Quelque chose d'écrit sur le mur. La clé de l'éclipse. Les clés de l'éclipse. Je l'ai copié sur la carte. Mais pourquoi il y a un trait rouge aussi derrière le café ? Alors à mon avis, déjà, on devrait faire dans l'ordre. On devrait aller à l'école maintenant. Non, allons chercher la clé pour l'éclipse. Non mais attends, il y a... Attends, sérieux ? Il y a une clé pour rentrer, mais pour la porte derrière, il y a trois clés. Bah oui, parce que les gens, ils rentrent plus facilement par derrière. Tu peux pas juste changer la porte ? Bah, ça dépend, enfin bon. La logique dans le jeu. TGCM, c'est ça ? Ta gueule, c'est magique. Est-ce que tu peux... Est-ce que je peux quoi ? Rentrer, là, non ? Non, c'était fermé, là. C'est fermé. Il est fermé. Il est fermé. Qu'est-ce que c'est ? Le porte est fermé. De retour, le porte. Alors, je vais où ? Bah, alors, il faut que tu ailles à l'école maintenant, je pense. Ou pas. Bah, moi, je pense qu'il faudrait qu'il aille à l'école quand même. Ils disent d'aller à Hellboy Street. Hellboy. Non, c'est quoi c'est... Elroy. Hellboy Street. Ah, d'ailleurs, Guillermo del Toro a dit que dernièrement qu'il y aurait, probablement pas de Hellboy 3. Okay. C'est dommage. Bon, alors, je vais sur Matheson et après, je. Toi, t'as. Oh putain! Con, mais oh, tu nous as fait un visage quoi! Il ne faut pas faire ça, c'est interdit! Mais ça va pas non? Non mais il y a des gens qui flippent! Oh, des gens qui rentrent comme ça, mon cœur! Je vous avouerai quand même que mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde! Et là on rigole tous, mais c'est nerveux! Oui, moi je me suis dit, c'est les parents de Hop qui rentrent! Oui, ils arrivent de Grèce! Mais tes parents ils sont où? Bonjour! Non, mais y'a pas de soucis. Alors, ils sont cardiaques, hein. Est-ce que les gens nous voient encore à la webcam ? Et là, ils voient Léa arriver, la porte se ferme. Hein. Alors. Ok, et c'est. Après, c'est... Alors. Oh, y'a des gens qui veulent que tu. Alors, écoutez, je suis en train de reprendre le pouls de Hob et on est à peu près à 5. Attends, vous avez vu comme il est pâle ? Laisse tomber, hein. Je suis sûr que si je lui prends l'attention, il est à 7. Ça va, Hob ? Oui. Alors, tu vas où, là, au fait, là, Hob ? Bah, il sait pas trop, en fait. Tu vas aller où, là ? Mais non ! Non, tu veux pas aller là, déjà. Je vais aller tourner à gauche. Non, tu sais que là, tu pourras pas en bas. Parce que oui, donc je vais tourner à gauche. Gauche. Fais 180 degrés, là. Ah, mais toi, t'as envie de retourner voir les... Tu sais, on nous a dit d'aller à l'école pour retourner chez mais lui. Oui, oui, mais alors, attends. Regarde. En tout droit, tu peux pas y aller. Donc mais je vais. Faut que tu remontes. Remonte. Non, je tourne à gauche. Non, et à la prochaine, je prends à droite et je descends vers Block Street. Non mais je t'ai dit le sens de l'orientation. Mais non, mais attendez. Mais à non, gauche, tu à remontes gauche, là. Tu remontes et tu vas à gauche et ensuite Twitch Street. Attends, c'est pas possible. Il veut pas passer par là. T'as pas compris depuis le début. Il ne veut pas y aller. Débrouille-toi. Il peut pas. Non, ça va. Prends par midouille. Il ne veut pas. Chut. Laissez-le faire. Ne dites plus rien. Hop, débrouille-toi. Léa, est-ce que tu peux repartir et revenir pour nous faire peur encore, s'il te plaît ? D'accord. Merci.
Alors, vous remarquez que Hob, dès qu'il fait un tour avec le perso pour savoir son orientation, oui, il regarde la carte. Mais c'est mal foutu. En même temps, c'est rigolo, on joue à un jeu de zombies dans le noir et on a eu peur parce qu'il y a Léa qui est arrivée. Mais parce qu'on est des merdes. Oui, parce que Léa. Parce que nous Léa sommes des merdes. Parce que Léa fait peur à voir. Léa fait les courses aussi, j'ai l'impression. Léa interprète. Là, j'aimerais bien un peu de brioche. Ah voilà, Léa. Voilà, ah, c'était bien. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, c'est pour ça que je disais ça. Ah, Léa fait le zombie, c'est vrai. C'est pour ça que je disais ça. Non, parce que voilà. C'est, voilà, c'est... voilà, merci. Cet homme fait de la com. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je peux pas y aller. Je te donnerai ta commission, Prénois. Merci. Je peux pas y aller, c'est bouché. Bah ouais, oui. Mais en même temps, le sait maintenant. C'est pas ce que je t'avais dit. Mauvaise foi, man. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Non, attendez. Je suis de bonne foi. Mauvaise foi, man. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Donc, pas par là. Putain, ils arrivent, 114, vite. Pas par là. Non. Mais non, on retourne vers lui. Quoi? Vas-y, c'est, mais si c'est bon. On va partir dans la même direction. Mais non, putain, mais merde, ce menu, oh. Stress. Mais je descends et je tourne sur Matheson. Allez, va où tu veux. Absolument. Il y a une boutique que t'aimes bien, Madi. Il y a une boutique de comics, c'est ça. Un truc, je sais pas, moi, il vend des mangas ou de... Est-ce qu'il a un numéro hipster. C'est pour ça. Il y a pas de bruit. C'est calme. Barre-toi. Ah, il se barrera pas, hein. Attends, regarde. Tu sens son souffle. Tu sens son souffle rock derrière. Vas-y. Non, mais vous savez quoi, en même temps, c'est Hop qui joue, laissez-le faire. C'est quoi, mais c'est toi qui arrête pas de lui dire. C'est toi qui arrête pas, c'est toi qui arrête pas de lui dire, vas-y, va là, vas-y, va là. Bah, tu sais quoi, Hop, je te laisse faire. Maintenant, je est-ce que tu peux aussi te toi, taire simplement. Tu te tais. Non, mais regarde, mais c'est fini. Non, mais là, j'y vais là. Ce live. Combien sur le chat? Comment ils vont un peu là-bas? On est 67, on a baissé. Ah, on a perdu des gens. Mais normal, les réveils, il y va. 94, c'était remonté. Ah, d'accord. Tu sais, les mecs, ils ont entendu ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Rien d'intéressant. Bon, comment ça va sur le chat? Est-ce que vous avez des questions un peu pour l'équipe, pour moi, pour tout le monde, pour Léa? Pour Léa, t'sais. Oui, est-ce Léa, que qu'est-ce que tu vas manger ce soir? C'est le moment, ça me fait plaisir. Léa qui joue dans la web Léa, série. Léa, t'as mangé Black ou pas? Sweet Brain Effect. Black Cat. Ouais, ça, toi, il y en a un qui suit ici, là. Et Léa qui joue dans la série The Guild. Quoi? Quoi? Je crois que non, je vais pas. Arrête de casser toute la com. Mince. Ah, tu veux dire Sweet Brain Effect? D'ailleurs, il me semble que tu as un petit rôle dans cette série aussi, Fred. Bien entendu, dans Sweet Brain Effect. Est-ce que j'ai dit que ça s'appelait Sweet Brain Effect? La série sur les zombies. Et que c'est très qui s'appelle comment? Sweet Brain Effect. C'est ça. Et c'est produit par Sweet Brain Effect. Eh hey, merde, hein. Par la Black. Putain, mais ça y est, ils ont fait une tranchée ou quoi? Ah bah alors là. Alors et là, donc je peux pas aller. Donc ça veut dire que tu peux pas aller à l'école si, pour l'instant. J'ai essayé la petite allée de Madison. Mais si. Matheson. Ah, quoique, il a raison, on peut peut-être pas aller à l'école. Non, je peux pas y aller. Non, je peux pas aller à l'école. Non, parce qu'en fait, fais le tour du lac. Tu dois aller prendre les clés parce qu'à mon avis, il faudra retourner dans la maison, faire les verrous et passer par la petite allée qui est derrière la croix. Et bien sûr. Ah, ok. Ouais. Bien entendu. Ah oui. La logique dans les jeux vidéo. Donc, faut d'abord aller chercher des clés qu'on ne sait pas qui a disséminées aux quatre coins de la ville. C'est de la neige ou des cendres, là, vous pensez? Je préfère que ce soit de la neige. Parce que dans le film, c'est des cendres. C'est l'hiver? Hein? C'est l'hiver? Winter is coming. Qu'est-ce que tu manges, Léa? Nous aussi, on aimerait bien voir. Où par toi? Ça intéresse les gens sur le chat. Je peux te laisser goûter si tu veux. C'est quoi? J'en veux pas. C'est du tabac? Dans ma tabatière, c'est du bon. C'est bon, tabac. Avec un peu de sel et de l'huile d'olive, ça passe tout seul. Fumez, nuit gravement à la santé, hein, les enfants. Ne fumez pas chez vous. Ne fumez pas. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Par contre, la cocaïne, il n'y a pas de test encore. Donc, t'es le mec. Quoi? Putain, mais sérieux. Oh, mais casse-toi, le ptérodactyle de mes fesses, là. Tu sais où tu vas, là? Non. Bah, c'est pas grave. Ah. Il y a des munitions, prends les munitions. Ouais. Il y a quelque chose dans... À mon avis, il y a quelque chose dans le coffre de la voiture. À mon avis, il y a quelque chose qui essaye de te tuer, là. Touché. Oh, il est parti. Il leur faut 4 balles, hein. Non, 3, je crois. Il vise automatiquement, en fait. Ça va. T'es là. Vas-y. Non, t'y es pas. Il y en a qui disent que Léa travaille son rôle dans la série. Vas-y. De la chair humaine. Ah, c'est bon, il est mort. Allez, vas-y, achève-le. Lui, un coup de patte. Prends les munitions qu'il y a juste au-dessus de lui, là. Non.
Mets-lui un coup de pied là, vas-y. Prends-le. Bien. Et prends la clé dans la police. Dans le coffre de police. Oh, la clé du lion. Alors, ah, sérieux, ça n'a aussi, rien à voir avec la maison, ça. En fait, c'est une clé qui va ouvrir un autre bâtiment beaucoup plus loin. C'est dans laquelle il y aura une autre clé. Non, qui mais il l'invente depuis tout à l'heure. Alors, c'est la clé des Lannister. Oh putain. Alors. Bon, là, tu peux pas aller plus loin déjà. Et donc, il faut que tu ailles à la croix où il y a Holy Street alors. Non, mais il y a une allée en rouge là. Non, c'est. Il y a une allée en rouge là, Kiki. Ouais. Hein ? Il y a une allée en rouge derrière toi. Ah ouais. Tu vois, à mon avis. Ça m'étonnerait que ce soit une trace de sang. À mon avis, c'est le mec, il était en train de bouffer un beignet au coulis de fraise. Et ouais. Putain, il faut qu'on aille là. Enfin là, c'est pas du tout, c'est à mon une avis, gage, le coulis de fraise, ça fait un moment qu'ils en ont pas vu dans cette ville, tu vois. Bah oui, marchons. Bah oui. Ce sera tellement plus rapide. Mais il y a un volcan quelque part Non, il neige, on t'a dit. Alors, non, mais c'est très. Alors, c'est des cendres. Très. Ah bah, c'est très mal fait, alors on dirait de la neige. Alors c'est très spécial l'univers de Silent Hill. Hein. Faut savoir que là, et encore là, pour l'instant, il est pas dans l'autre monde. Quoi ? Il y a un autre monde ? Il y a un tournoi normal, organisé là. Dans Outer World, c'est ça ? C'est avec ça. Shao Kahn et tout. T'imagines, tu vas arriver. Je vais prendre ton âme. Attendez, laissez-moi voir les deux clés encore. Excellent. Prenez plutôt celle de chez lui. Choose your destiny. Ah. Faut en lutter. Alors, en parlant de ça, tiens, je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu savais qu'ils ont sorti la saison 2 de Mortal Kombat Legacy ? La série ? Ouais. Non, Legacy, la web série. Hein. On voulait pas le savoir. La web série, je te parle. Fred, t'es. Pardon, excuse-moi. Pas transparent. C'est moi le verrier, c'est pas toi. Joli. Pas mal. Bravo. Pas mal. C'était bien, mais pas top. Est-ce qu'on sait où on va ? Non. Absolument pas. Est-ce qu'on sait où on va pas ? Oui. On va pas à Magic World déjà, ça c'est sûr. Oh pétard! Il fallait. C'est le boss! Ok! Mur. C'est malin au moins! Tu as un mur. Bah, reste là et fouille! Non, il essaie de reculer. Il essaie de s'enfuir. La clé! Là, dans la tache de sang. Je l'amine! Hey, t'avances pas trop mal là quand même. Là, est-ce que l'inventaire est limité? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire si l'inventaire. En tout cas, le jeu est limité. Ah, attends, pour l'époque, non. La clé du bûcheron. Vous la prenez, bien entendu. La clé du lion, le lion, le pénitent, le passe. Et alors, la troisième, ce sera la clé de quoi ? Moi, je dirais... mon cul. La clé... Ah, bah voilà. Fais un basket. La clé de ton cul. Ah, ça va, Michael Jordan, il s'est coupé en marquant, tu sais. J'imagine les zombies avec la tête. Fais le tour. Maintenant, faudrait savoir où est la troisième clé, quoi. Ah, mais attends, est-ce que t'es sûr que ce sont les bonnes clés ? Bah, on t'a demandé d'aller chercher trois clés, alors merde, hein, si c'est pas les bonnes. On ne passe pas par là encore pour l'instant. Fais le tour de la pièce là. De la pièce, mais c'est pas une cour. De la cour ? De la cour, je veux dire. Je suis le roi de la France. Bonjour tout le monde. Tu peux rentrer là. Tu peux rentrer par la fenêtre. Vas-y, saute. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que ça dit sur alors, le forum ? Va de l'autre côté, alors va voir. Est-ce que sur le forum il nous aide un peu ? Non. Non. Eh ben il pourrait. Est-ce que sur le forum, il y a des gens qui auraient voulu voir Hellboy 3 ? Il y en a qui demandent le live se termine à quelle heure ? Oh, ils sont putain. Oh, je pense qu'on va... Mais dites qu'on vous fait chier aussi, oh. Non, il y en a à 23h. La question vient d'être posée à l'instant. À 23h. 23h ? À 23h. Non, avant ? Non, bah comme tu veux. Allez, 22h. 2h, là, de toute façon. Hein ? Allez, 2h de live, allez, c'est bon. Mais c'est ce qu'on fait d'habitude, hein. Regarde le plan, parce que là, maintenant... Mappy ? Bah, bon. Je peux continuer. Pourquoi c'est entouré là, à Hellboy machin, Hellboy c'est entouré là. Tu vois le rond. Ouais c'est entouré. Ouais. Bah oui, bah, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc il y a une autre clé là-bas. Ouais, je pense qu'il y en a là-bas. Qui voulait Hellboy 3. Ah voilà, je ne suis pas tout seul. Est-ce qu'on peut ouvrir les paquets de bonbons si non. Tu veux. C'est fait pour ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent Indiana Jones 5 ? Est-ce qu'il y en a qui veulent que Fred soit au groupe parce qu'il est en train là ? Il y en a qui me parle. Non. Parce que les autres sont dehors et si on met la clim, ils vont se prendre la ventilation chaude de la tronche. Ben, ouais, mais nous on aura l'air frais. Moi je suis en train de mourir avec le PC, c'est sûr. Alors Fred, est-ce que tu veux qu'on change de place pour que tu sois un peu sur le canap ? Ouais, viens sur le canap, viens plus près de moi. Tu veux changer ? Attends, parce que sinon. Il y a 3 milliards de personnes qui pensent que Argol est Sparadrap. Ah bon ? Poussez le chandelier, on veut voir sa tête ! Asparadrap. C'est le doubleur officiel. Je suis là. J'attendais qu'il se casse du milieu en fait. Ah, ça va mieux. Non, je suis là les amis. On te voit pas de toute façon, tu es hors écran. Pour te voir, faut se mettre à la place d'Argol. Tu veux venir dans le champ ? Non, c'est bon. Bon ben voilà.
Ah ouais, ma déco. Colonel Moutarde avec le chandelier chez Hob. Ma déco. Alors regarde. Regarde un peu. Regarde. Tu verras tout ce qu'on peut faire si tu étais deux, mais tu es tout seul. Regarde le plan. Mais pas ce plan. T'y es presque. T'y es presque. Je pense que t'as tourné trop tôt. Bah, j'ai tourné trop tôt. En fait, il y a un trou. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, à mon avis, le truc est là, hein, à proximité. Effectivement, les musiques sont vraiment géniales. Ouais, regarde. Ça, c'est, je crois, le nom de celle-ci, c'est le vent. The wind. The quoi? The wind. The wind, c'est le vin. Hein. Wine. Oui, mais... Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui parle plus mieux. Ah! Ok, merci. Ouais, moins bien anglais. Français? Qui parle mieux français? Ah, mais je parle mieux anglais que français, mais. Alors. Où suis-je? Eh ouais, non, mais attends, là, elle est bien sa croix, là, mais il y a un trou. Est-ce que les gens pouvaient nous aider pour savoir où est la troisième clé par hasard? Fais le tour parce que c'est peut-être tout en. Essaye d'ouvrir le truc des pompiers, là. À gauche? À gauche. Mais j'en viens de gauche. Bah non, bah retourne-y. Ah, j'ai eu un truc. Non. Voilà, c'est où j'étais, il y a deux secondes. Oula, ne fais pas peur. J'ai lu aussi. Non, ça doit être Nera qui a posté un mot sur la page. Alors. Elle veut qu'on fasse Project Zero en... En live. En live. Est-ce que c'est plus maniable? Mais est-ce qu'on a Project Zero chez quelqu'un? Aïe. Tu peux pas prendre la voiture? Et te casser? Voilà. Non. Attendez, là j'ai fait le tour. Hein. Oh putain, il peut pas mettre la carte sur triangle, sérieux? Mais elle est sur triangle. non, mais j'ai fait le. Je sais pas là. Là j'avoue. Il faut que tu reviennes. Et si tu allais dans l'allée, mais de l'autre côté? Dans l'allée qui est en rouge sur la carte. De l'autre côté du ravin? Non, remets la carte. La carte. L'allée, t'y allais par au-dessus, celle qui est derrière le café. T'y allais par le. L'allée, c'est-à-dire quelle allée? L'allée en rouge. Mais j'en viens de l'allée. Oui, mais t'y allais que d'un côté. Que dans un sens, non. Tu veux dire. Mais bah, je l'ai traversé l'allée. Ah bon? Oui, je l'ai traversé. Un petit Big Mac. Et si t'allais à Backman Road, tout en haut? Y'a rien qui te. Je suis. Il manque laquelle de clé? On a le bûcheron et le lion. Alors ouais. La troisième, c'est celle du cul de Hob, apparemment. Par où je vais passer? Ah ben je vais aller sur Backman, mais. Vite, la Backmobile. Alors on me dit remonter Matheson et aller vers Bradbury et passer au café. Ah, faut aller au café. Je vais au café, je l'avais dit. La clé dans une boîte aux lettres, c'est la clé de l'épouvantail. Ah, tu vois, Batman l'épouvantail. Voilà. Ou du sanglier. Clin d'œil. Ah. Bonsoir à Nuss qui va se coucher. Bonsoir et bonne nuit surtout. Merci pour la clé, si j'arrive vivant. Mais oui, on y croit. Lol. Alors elle est dans une boîte aux lettres au bout de Elroy Street. Ah, donc c'est pas là en donc fait. C'est pas au café. Je te dis comme ça arrive. Ah ouais, parce que Elroy y était en fait. Dans la boîte aux lettres au sud de Elroy Street, à droite de la crevasse, en passant sur la planche en bois. Ah ben là où j'étais. Ouais. Donc il faut que tu refasses. Tu fais marche arrière là? Oui. Oh là là. C'est fucking dur quand même. Oh, j'aimais le clipping des bâtiments. Dis. Les gars, les bâtiments qui apparaissent. C'est... Non, c'est pas du clipping, c'est du brouillard. Merci. Ouais. Il y a souvent du clip, il y a souvent du brouillard. Non, c'est pas une planche en bois, ça. Alors, elle est où, la planche en bois, là? Dans tes fesses. Ah, oui, elle est là. Oula. Oh là, d'accord. Ouais, et t'as vu qu'il y a encore de la vitamine. Ouais. Je veux bien qu'on me chope des bonbons. Bah tiens, parce qu'il y en a bientôt plus, je les ai tous bouffés. Ouais, c'est tout Fred qui a bouffé. Je sais pas si tu peux rentrer, là, non? Je vais essayer. Alors, combien j'ai de vitamine? On est bien dehors.
On sait ce qu'il y a. C'est... Dedans, on sait pas. Dedans, tu peux plus esquiver les monstres. T'es obligé de les affronter. Non, maintenant, il faut que tu ailles derrière pour aller à l'école. Non, d'abord, il faut aller ouvrir les trois verrous. Oui. Ouais. Donc, les trois. Et après, il faut aller à l'école. C'est ça. Alors, les trois verrous, ils sont... Moi, je trouve que tu t'en sens pas trop mal, Ob. Les trois verrous... Ils sont dans Levin Street. Tu vois le point rouge. Le point rouge dans Levin Street. Enfin, ok. C'est quoi le point rouge? On est d'accord là, c'est sur la maison rotation. Où il faut rentrer. Non, mais je voyais pas le point rouge, c'est tout. Il y a du rouge partout sur la carte, quoi. Et encore, t'es qu'au début du jeu. Attends. Tu pourrais me refaire le jingle de Mauvaise Foi Man, là, s'il te plaît? Comme il court. Mais il est blessé, apparemment. Mauvaise Foi Man. Oh là là, ça pue, là. Non, je me rappelle quand j'ai pété. Quand surtout, alors quand tu vas ouvrir le troisième verrou. Fais très attention. Fais gaffe. Oh, Non, déconne, c'est pas vrai. En fait, j'ai jamais joué à ce jeu. Ah, ah en fait, moi, je suis en train d'exploser les oreilles de 50 personnes. Ce qui me fait sursauter, c'est pas le jeu en fait, c'est les cris, ouais. Mais bien entendu, mais c'est fait exprès. Chose, quand on regarde. Quand on regarde un film d'horreur avec. Foutez-moi la PO! Pensez-vous, Condomine. J'ai cru que t'allais mourir là, il a fait un petit mouvement, je fais ah. À droite là, non? Je sais pas. Bon. Regarde le plan. Question. Nous sommes dans Levin Street. Ah oui, c'est bon. Allez, retrouve la bonne maison maintenant. Donc sur le côté gauche, à gauche là. C'est là où tu te feras attaquer par des chiens. Ah, c'est là où il y a la niche. Donc c'est pas celle-là. À droite. Droite. Voilà. Mais regarde la carte. Mais c'est bon, on est à côté là. Plus haut. C'est peut-être celle-là. Il y a un relâchement des sphincters chez Ob. Non, c'est faux. C'est donc, il y a la niche, de toute façon. Gauche. Et le cassez-vous condomine. Un peu plus loin. Très apprécié. Le quoi? Le cassez-vous condomine. Apparemment, ça me stresse que la caméra soit fixe. Ah, c'était ça à l'époque. Ah, ça me... Mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis avec le stick en train de... Mais tour de connasse. Ça me stresse aussi. Quand je te vois jouer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison depuis. Là, tu sais quoi, tu devrais sauvegarder en fait, Bobby. Imagine, mais c'est ça, mais c'est trop ça, quoi. Tu sais qu'il pourrait être des connards, hein. Ils pourraient mettre des monstres, dès que tu ressors des pièces, les remettre dedans, quoi. Bah, Resident Evil, c'est le cas. Zelda, c'est le cas. Non, c'est pas. Ah, ouais, mais Zelda, ils font moins peur. La deuxième partie, c'est là où il y a les hunters qui reviennent. Mais dans le premier, sur Resident Evil, quand tu tues tous les zombies dans la maison, il y en a la plus. Oui, mais des fois, tu rentres des pièces, il n'y a pas de zombies. Et quand tu rentres une deuxième fois. Pour ouvrir une pièce, quand une. Tu reviens plus tard dans le jeu, il y a des zombies que tu n'avais pas tué avant. Alors peut-être pas dans le 1, mais dans le 2 de sûr. Putain, le 2, ça c'est un jeu aussi que offre. Non, Resident Evil, c'est. Je ne joue pas Resident Evil, c'est trop super galère à jouer. Ah non. C'est trop bien. Non, c'est le game. Je viens de me cramer. c'est dans le gameplay est super dur, enfin je galère. Allez, vas-y, utilise les clés. Oh, il a disparu. Utilise la clé du but. Non, mais il est très bien, j'adore regarder jouer, mais celui-là. Utilise la clé de l'épouvantail. Et là, ce n'est pas la bonne clé. C'est ouvert. Waouh. Attention. Oh là, calme-toi. Quoi? Cinématique. Un boss. Oh non. It's a boss. J'y vais pas. Je rentre. J'en fous, j'y vais pas. Il fait un nouveau son, vas-y, go. Non, je rentre. Il va faire tout noir. Ah, t'as une lampe. Ah oui, c'est vrai, t'as une lampe. Oui, t'as une lampe, n'oublie pas. Ah yes. Je veux pas y aller. Est-ce que tu serais pas un peu balistos là? Je veux pas y aller. Dommage que le micro cache. Plutôt l'ombre du micro cache sa tête. Ah, y'a de la juvamine là sur la table de pique-nique de jardin de merde. Mais passe pas devant la fenêtre. Moi j'ai peur des fenêtres. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tiens, sur la. Il a bougé. Mais gay, la fenêtre. La table, elle a bougé. C'est au tir réflexe. Ils sont gentils en mode easy, hein. Ouais, c'est en mode normal. Ils sont gentils en mode normal. À gauche. Cet arbre ne me dit rien qui vaille. Ah, il faut sortir par là, tiens, voilà le portillon. Enfin, moi, si j'étais lui, je sortirais pas parce que. Ah. Le mec, il a balisé avec le bruit du portillon quand même. C'est normal, t'as vu le bruit que c'était. Il a fait bruit, on aurait dit. Ouais, va chercher du WD-40 dans la maison et graisse le portillon. La carte. Look at the card. La rue est sombre sur ta droite. Look at the card. Alors, ouais, bah on est de l'autre là, côté. De l'autre côté, voilà. La rue est sombre sur ma droite. Voilà, va par là. Pénitent le passe. On voit pas. Elle est bien la caméra. Ouais, on voit pas, on avance. Voilà, c'est bien. Là, t'es bien.
Le mec, putain. Même Eric à côté, elle n'est pas tranquille. Ah si si, je suis tranquille. Ouais, trop, ouais. Ah oula, oula. Ah ouais, on t'a vu venir à 100 km toi, petit con. Allez, achève-le, achève-le, achève-le. Voilà. C'est ça, ptérodactyle de mes fesses. Ça en fait deux qui sortent de tes fesses déjà. Hein. Beaucoup. Je sais pas ce que tu bouffes. Je sais pas ce que tu bouffes pour chier les ptérodactyles, mais... Alors, avance. Je sais bien ce que je dois avoir. Ah, un chien. Un chien. Vas-y, tue-le maintenant. Tue-le, là, tue-le, il t'a pas encore tue-le. Vu. C'est bon, t'énerve pas, t'énerve. Achève-le pas. Aussi. Non, hein. Ah, dans l'autre. Soigne. Vous avez pas des chiens zombies hein, dans Sweet Brain? Non, ça va encore. T'as pas besoin de te soigner. Faut y penser. Ah, ouais, faut y penser, ouais. Non, lui, il était. Peut-être pas des bichons maltais. Il était déjà mort, celui-là. Non, mais c'était pour être sûr. Avec les balles. C'était pour être sûr qu'il soit bien mort. C'est bon, il est mort, il est mort. Oh, donne-lui des coups de pied. Tiens. Voilà. Brigitte Bardot, j'espère que tu n'es pas sur le tchad. Ouais, ça va, ils sont tout roses. Ah, ils ont perdu leur poil en même temps. Hein. Allez, avance, à go. Attends, là, go. attends, voilà, je vais. Oui, là, bon, on nous a dit qu'il vaut mieux courir, économiser les balles. Mais oui, mais cours, c'est parce pour qu'à ça, l'école, c'est on ce va que tous te mourir. Ouais. On y est tous passés pourtant. Regarde la carte. Je suis pas sûr que t'ailles dans la bonne direction là. Si, si, il descend, si c'est bon. Bon, ça va. Ah oui, bah là, à la droite alors maintenant. Mais cours. Après c'est à gauche hein. À gauche là, à gauche. Oh saloperie. Vas-y, regarde la carte. Là t'es dans la bonne direction, t'es pas loin de l'école je pense. Enfin t'es loin de l'école mais t'es dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Allez go. Tout droit. Tout droit. Cours. Allez cours Forrest, cours. Putain mais c'est comme ça qu'il... T'imagines si les mecs qui couraient Usain Bolt quoi. Laisse-moi tranquille. T'es pas prêt d'avoir un record hein. Zigzag, zigzag. Si tu restes tout droit, les trucs ils vont te défoncer. Fais comme tout à l'heure quand t'étais bourré. Regarde la carte là parce que... Tu penses que... Parce que rien ne sert de courir hein. Regarde la carte Kiki. Parce que à chaque fois que tu cours mais... Ah on y est presque. La prochaine sur la droite. On n'a jamais été aussi impatient d'aller à l'école dis donc. C'est ça, commence à puer. De quoi? C'est ça, je sens une odeur qui pue et c'est le fromage. Ah, mais ça sent bon le fromage. Non! Oh putain, oh putain! Tu t'encaques, rentre dans l'école, rentre dans l'école! Commissariat de l'école. Alors dans l'école c'est pire. Ah bah oui, là c'est pire. Il y a plein d'enfants. Ah oui, là, il y a Pyramide Head. Juste petite anecdote. Non, il n'y est pas dans le. Ah, il n'y est pas dans le. Non, il n'y est pas dans le. Alors, juste petite anecdote. Il faut savoir que la version européenne et américaine et japonaise est censurée par rapport à la version américaine, je crois. En fait, il y a des enfants zombies dans l'école qui n'existent pas dans nos versions, je crois. Ah, zut. On peut pas tuer des enfants zombies. Mais s'ils sont pas zombies, on peut. Un petit bloc-notes là. Regarde autour de toi pour voir s'il y a rien. Les affiches là, elles ont l'air. Tu peux pas interagir avec? Non. Non, non, c'est juste pour dire qu'il y a Sheila en concert dans la ville. Non, non, qu'est-ce que tu vas où là? Bah... Oh, sors, sors, tu sais, avec les deux chiens et non, la chasse souris géante. Attends. Mais non, c'est l'entrée. Sortais, là, c'est là, non, c'est là, c'est là, là, c'est là, là, c'est là, là, c'est là. Ah, d'accord, ok, ça va. Bon, pour l'instant, c'est toujours pas ce qu'on doit faire dans cette école. Ah oui, on cherche Cheryl. Ouais, Cheryl. Pas de blague? Bon. Non, pas de blague. Ah. Oh con. Il a entendu la musique quand il s'est pigé hein. N'oublie pas que tu as un plan Kiki hein. Oui mais enfin ouais, on sait pas où on doit aller donc. Le plan c'est de me casser le bon plan. Alors il y a Jerry qui est dans bah, un des casiers. Ah bah c'est bien l'infirmerie. Tu peux peut-être trouver des trousses de secours. Attends, rappelle-toi dans le guide de survie. Il ne faut jamais aller dans les hôpitaux et dans les infirmeries. Ah bah tiens, regarde. Un bloc-notes. Un bloc-notes et t'as même des vitamines. Ah
Ah bon ? Non, elles sont trop loin. Tu peux pas tendre le bras pour les attraper, en fait. T'as pas le droit. Vas-y, remets-toi. Tu... Attends. Ah, sérieux, y'a rien ? Ah. Si, c'est derrière une vitre, mais tu peux pas casser la vitre. Bah non, t'as que une barre à mine, bah non, un revolver. Depuis... Je suis japonais, je respecte... Ah, tu vois ? Il a pu la prendre. Bah oui, au travers de la vitre. On va voir si tu peux pas les prendre en t'approchant un peu plus. Non. Non ? Ouais, je sauvegarde. Jerry est dans le casier. Parker Lewis ? Monsieur Lewis, Monsieur Randall, ouais, vous êtes encore là ? Ça fait 5 minutes que tu joues, Kiki, ça va ? Non. Et après, on fait Conjuring, après ? Non, non, mais c'est bon, là, je crois que ses intestins se liquéfient, là. Ah, mais là, on a Jorus qui nous a regardé, il a fait « Non, mon Dieu, j'ai peur !» T'as de la chance, Jorus. Ah, ce qui fait le beau, mais il a aussi peur que moi, tu sais. T'as beaucoup de chance. Il est fermé. Tu l'as en Blu-ray, Conjuring ? C'est pas grave, moi j'ai une question qui marche. Moi j'ai récupéré Insidious 2 là. Ah bah, mais j'ai pas envie de le regarder. Ce matin, tu veux. Alors je vais où, tout droit ou je tourne là ? Faut que je le voie. Bah, regarde là, regarde là. Bah la... ouais, mais. Ouais, mais ouais, vraiment. Là c'est bloqué, là, t'as pas trop le choix. Ouais. Bah oui, va de l'autre côté. Ouais, va voir à l'accueil s'il y a quelqu'un qui peut te renseigner. Je vais voir si l'ambassadeur. Bon, ah, il y aura peut-être des fées en rocher. Ah, fais le tour là, je pense que tu peux. Ah ouais, voilà. Ronaldo, la liste quoi des enseignants. Moore, Ronaldo, Gordon. Bonjour, Gordon. On va voir sa liste de l'équipe de foot. Comme dans Half-Life. Attends. Regarde s'il n'y a rien d'autre, là. Ouais. Ah, il y a une lettre. Il y a une mallette. Une lettre de sang. Il n'y avait plus stylo rouge. Il y a marqué quoi ? Omar... C'est écrit avec du sang. Joli. 0 sur 20. Quoi ? L'or dans la pomme d'un vieux. L'avenir caché dans son poing. En échange de l'eau du sage. J'ai rien compris. Tout ça. J'ai l'impression que c'est une énigme. Parfait, Robin. Allons-y. C'est écrit avec du sang. Ténèbres, source de chaleur étouffante, des flammes mettent la silence en valeur et réveillent le bête. Alors, il y a des heures, donc il faut peut-être respecter les horaires. 5h, 10h. C'est fermé entre midi et 14h. Chant et de son, un médaillon d'urgent. D'argent. Apparaît. D'urgent. Un langage perdu revit et quand une mélodie est jouée sur un piano muet. Un piano muet. Il y avait des heures, j'ai pas vu. Il y a eu 5h, 12h et quoi ? 5h, 10h et midi. 5h, 12h. Mm-hmm. 5, 10, 12. Ça, c'est quoi ça ? Un flan au chocolat. C'est ma grand-mère, elle a fait du flan. Tu peux voir le brownie, non ? Non, tu peux pas. C'est un space cake. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu passes par là ? Ouh là là. J'aime bien le réflexe. Ouh là là. Ça jamais. Ouh là là. Il y a un canapé jaune. Ouh là là, c'est de très mauvais goût. Il y a un truc sur la table. Ouais. Bien sûr, dans une école, tu trouves des cartouches. Bah, c'est normal. Faut les laisser à la portée des enfants. Comme non, mais aux États-Unis, ils ont tire comme matière. Ah ouais. C'est comme dans les pyramides. Tu Columbine. Trouves des cartouches dans les pyramides. Ah ok, vous n'êtes pas égyptologue. Non, mais j'ai pas fini mon cursus. Moi j'ai vu que Stargate, hein, je peux pas te dire. Ah, mais justement, il y a des cartouches en Stargate aussi. Et là, le mur, non ? Rien ? Bah non, rien. J'ai appuyé, il y avait rien. Est-ce que t'as bien appuyé ? Cartouche de la porte des étoiles. J'aimerais bien que tu réappuies sur ce mur. Ah ! Ah, il y avait rien ! L'image d'une porte. Mm-hmm. Ce n'est pas qui l'a dessiné, mais elle est de mauvais goût. Ça c'est subjectif. Après, voilà, l'art c'est subjectif de toute façon. Je pense que bon, tu vois. Alors, non, mais il y avait trois rectangles. Oui. On a trouvé trois lettres avec 5, 10 et 12. Oui. Donc il y a peut-être un. Et alors, c'est quoi le rapport ? Il est fermé. Putain, mais par contre, c'est quoi cette traduction de merde, quoi ? Il est fermé. Il est revenu. C'est ça. Bonjour les enfants ! Oh non, un clown ! Viens planer avec nous. Quoi ? Bon, bah, je vais là. Hein. Bah là, non ? Ah ouais. Oh, cours, mauvaise idée. Cours. Oh là là, c'est quoi ah, ça ? Ah, c'est un carton ! C'est un mini Chewbacca ! C'est une top ! Fais gaffe, ils sont là aussi. Hein. Moi, je m'arrêterai pas. Oh, ah, ah, les carton ! Fous-moi la paix ! Il me bouffe le cul ! Il me bouffe le cul ! Il me bouffe le cul ! T'es rentré, là ? Ouais. Il y a des cartouches à droite, là. Ah, mais tu connais par cœur le jeu ? Ah non, mais je l'ai vu, c'est tout. J'ai des yeux, moi. Moi j'ai des lunettes, ok. Ok, je m'excuse. Ça va ou quoi ? Non, je me fais. Putain, je sens ton cœur là. Je t'ai fait bouffer le cul ? Et je me suis fait bouffer le cul. Par des tops en plus. Ah non, mais les tops zombies, c'est pas mal. Maintenant je vais longer les murs. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Elle est invisible. C'est Cheryl. Non, vite, casse-toi ! Mais non ! Ah, c'est les enfants fantômes.
Les enfants tomes. Les enfants fantômes. Les enfants tomes. Les enfants tomes de Savoie. Alors, il y en a qui disent que ça te fait des dommages et donne non. De quoi, les fantômes? On en parlait pendant... Les enfants tomes. C'était pour remplacer les enfants qui ont été supprimés, et les zombies. Alors... Bon, on sait toujours pas où on va. Mais c'est... c'est ce que je fais. On va aller dans le storage. Pourquoi? Storage. Moi, si j'étais toi, j'irais au chiottes, là, en bas à gauche. Moi, j'irais dans les halls. Dans les halls, tu veux dire? C'est toi qui décides, tu vas où? Donc, en sortant à droite. Donc, tu vas aller dans le hall. Storage. Dans le storage. Attends, regarde, il y a des escaliers, il y a peut-être un sous-sol. Moi, je pense que ce serait bien d'y aller. On fait deux groupes de 1. Allez, tous Sony Barbare. Il y a up et down sur les escaliers d'en bas à droite. Tu peux descendre. Ah, là, c'est pas le cul qui te bouffe, hein. Putain, mais casse-toi! À mon avis, c'est ça, les enfants zombies, ils ont été décapités. C'est une top. Hey, hey, hey. Oh, mais combien? Oh non! Oh, c'est pas grave, je suis au début du collège. Tu crois? Ouais, vers la 6ème. À éteindre la lampe, les ennemis auront plus de vie à le localiser. C'est dans la cour, il y a une horloge. Ils sont entourés par les ennemis, ce qui permet d'éviter les batailles de fuite. J'aime bien ce que les mecs, ils te disent ça après être mort. Continue alors. Continue. En fait j'ai du mal à voir le curseur du menu. Alors, on a toutes les blagues scabreuses sur Ita émasculé, Ita sucé, une pipe gratuite. Mange des glaces. C'est très crapuleux. Oh mon dieu, hop, ça fait bouffer là. Ouais, mais il aime ça. Surtout quand ça a des griffes. Et après, on a. Mais elle est encore là dans le noir, elle. Ça, on l'entend pas, Léa, mais d'un coup, on l'entend. Ouais. Ça va nous faire peur. On entend. D'un coup, on entend. Vous me reconnaissez? Vous savez qui je suis? Non. Mais oui, mais t'as qu'à te joindre à nous si tu veux. Vas-y. Oh, ouais, alors fais ça quand il y a un moment de tension comme ça, en plus ça lui fait. Oh, va se prendre une droite si elle fait ça. Non, Léa, ça va. Ah, mais sans dents, t'en comprends mieux quoi. Mais là, il le montre pas à Hob. Mais il interagit avec la console là. Il est en... Éteins la lampe. Mais oui. Y'a pas une horloge dans la C'est bizarre quand tu dis ça, j'ai l'impression d'écouter Jurassic Park. Sa vision est basée sur le mouvement. Il y a Jeff Goldblum qui va arriver. Putain, mais ah, oh, mais de maniabilité de mon cucu. Tiens, oh, tu lui as explosé le nez en lui mettant un coup de talon. C'était là le storage, non? Ouais. Alors il y a Mario qui. Non, ça c'est le hall. Ça c'est le hall. La porte est ferme là, en la claquant. La porte? Ah oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh mais sérieux, mais. C'était un code. Ça c'est le storage, voilà. Ah, connasse. LOL. Ils arrivent. Mais non. Tu tires au-dessus en fait. Mais j'y peux moi si je tire au-dessus. Putain, ils font mal eux par contre. Hein. Et tu peux pas orienter le vu où ils attaquent. Ah non. Tu t'en relèves pas. Hein. Mais tu peux pas orienter le flingue. Ils disent d'éteindre la lumière. Mais je sais pas comment on l'éteint la lumière. Et montre-moi ton côté sombre. Ah, le mec il peut pas te dire éteignez la lumière avec carré. Ah bah tu vois, tu le sais, ah, c'est avec carré. Tu sais, alors. Mais ta gueule. Et vas-y, éteins la lumière pour voir un peu. Bah ouais, teste-la, remarque. Ouais, super. Petit pas. C'était presque le bon bouton. Ok, d'accord. Ah, on voit quand même un petit peu, ils sont gentils. En fait, tu devrais faire le jeu tout comme ça. Ouais, en fait, ça veut pas dire qu'ils vont pas te trouver, ça veut dire qu'ils ont plus de mal. Hein. En fait, les monstres, c'est des gnocs. Il y a pas de lumière, il est où, tu sais? Bah. À droite. Où tu vas? Tourne à autre droite. Où tu vas? On est en train de tuer Léa. Est-ce que t'as regardé le Noob versus sur Castlevania? Oui. Il y a tellement peu de lumière. Il y a un mec qui me défonce là. Il y a deux graves erreurs en 4 minutes. Et effectivement, je me suis niqué. J'ai fait une grosse erreur. Je suis dégoûté. Amène le chandelier. Pourquoi? Est-ce qu'on va mettre. Là non, pourquoi? Tu veux faire quoi? Bah. Ah. Il veut mettre les chandeliers. Chandelier comme la chanson de Sia. J'ai cherché à la chanter, mais je m'en rappelais plus. Oui.
Mais fais-les tous, mets-les tous. Tu peux monter un peu plus là. Ils sont pas à l'écran, ça rien. Mais on ne voit plus là à l'écran. C'est mieux, c'est mieux. Bah, c'est pour ça. Hervé, tu veux pas les allumer là, les trois autres, s'il te plaît? Et tu bouges tes fesses, s'il te plaît? J'ai explosé mon téléphone. Ah bon? En tombant, ouais. Ah merde, il est cassé? Oh putain! Oh non, merde! Oh là, il est dégoûté, Hervé là! Là, on. Oh! Oh Hervé, je suis deck pour toi là! Il y a Reldric. On va faire le Reldricton. Il y a Léa qui vient de casser le téléphone de Reldric. C'est hallucinant. Ton téléphone, Reldric? Ah, regarde Léa, qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, montre-le. Regarde Léa. Si, c'est toi. C'est joli, t'as claqué la porte, ça a cassé le téléphone d'Hervé. Hein ah, arrête, j'ai essayé de négocier un téléphone pas cher à Hervé, là. À Reldric. Fais gaffe parce qu'ils font très très mal. Et je sais pas où tu vas. Moi non plus. Mais ah ouais, d'accord, ils te voient moins bien, ouais. Ouais, mets la lampe. Ouais, mais peut-être qu'ils te suivent à l'odeur parce qu'ils t'attaquent toujours par le cul, hein. Peut-être que tu vas mourir encore une fois. Non. Ah oui, tu vas mourir. Oui. Est-ce qu'il y a un bouton pour l'arrière des caisses? Peut-être ça peut aider, on sait pas. Putain! Mais ça sauve du cancer, hein, respirer des pets. Ouais, j'ai lu ça, il paraît. Mais bon, je me méfie un petit peu quand même. C'est pas pour autant qu'on va se mettre à flouser toute la journée. À but humanitaire, tu vois. Ouais, c'était pas mal avec la lampe aussi. Hein. Alors, ouais, si finalement, les lampe, yeux de. Ils font très très mal, quoi. Très très mal. Bravo à Léa. J'ai raté une partie en ramassant les lignes de mon téléphone. Faut commencer plus tard. Toi, tu veux te faire des amis ce soir? Ah, t'es rentré dans une autre pièce là? Ouais. Fais gaffe, dans les casiers, il y a des mecs qui surgissent. Non, fais gaffe, dans les casiers, souvent il y a des cheerleaders. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en aura pas. Vérifiez les casiers. Vérifiez les casiers, vite. A friend, un ami est dans le besoin. Oh, on nous dit de regarder la carte, mais j'ai peut-être raté les morceaux. Va aux chiottes, moi je te dis d'aller aux chiottes. Je suis sûr que c'est ouvert, les chiottes. En même temps, c'est un peu... Là, on sait que... Ouais, d'accord. Donc, Oh, ils sont sympas, les humains. Avant de partir, ils ont tout verrouillé. Ils sont polis. C'est de la politesse. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la porte? Don't dead, open inside. Teacher's room. Bon, bah écoute, j'y vais aux chiottes là. Là, c'est la deuxième porte de la salle des profs. Ouais, je la teste, comme ça, voilà. Il te marque sur ouais, le plan. Ça marche, c'est bien. Et là, c'est les chiottes normalement. Alors là, non, je vais revenir à l'autre porte. Ah non, mais là, c'est ouvert là. Si tu vas par là, c'est ouvert. Hein. Ah, ça y est, du coup, j'ai un raccourci pour passer à la porte à la réception. D'accord. C'est pour ça que je voulais. Non, parce que maintenant, de ce côté, c'est fermé. Tu crois? Bah, la logique de. Non. Mais ça aurait pu. Oh, mais hein. Comme tu m'as fait flipper, toi. Ah, tu sais, dans les. Je t'aurais tenu personnellement responsable de cette erreur. Dans les Zelda, c'est comme ça, hein. Tu peux passer les portes que d'un donc côté. Donc là, tu as la porte. Alors, tu commences par les shots des hommes ou des femmes? Bah, les femmes. Bah, non. Fais d'abord avec le. Sinon, t'auras le karma. Oh là là là. Allez, là, vas-y. Défonce-le. Achève-le. Des coups de pied. Tiens. Vite, il se relève. Vas-y, défonce-le. Ah, ta tête bouge. Yeah. La tête de bouche. Oh, la tête de bouche. Gaspard, le tageur. La tête de bouche. Regarde, tu trouves pas un peu d'urine dans les urinoirs? D'accord. Essaie de ramasser, tu sais, les galettes bleues. Attends, ça peut soigner des plaies, on sait pas. Hein. Non, les galettes bleues, tu sais, au fond des urinoirs. Y a pas, ah oui, le harpic. Regarde le harpic, s'il y en a. Non, mais par contre, blague à part, regarde vraiment. Ça dans peut les... aider contre les bactéries. Mais c'est dans son spark, tu peux t'en servir comme arme, des caca. Regarde, s'il y a pas Mister Honky. Non mais là dans... T'as mais j'ai regardé, j'appuie sur croix à chaque fois. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Regarde, je te refais. Non, arrête, il va revenir l'autre. Ah non. Non, c'est encore pire, son cadavre a disparu. Il est parti, il a tout nettoyé derrière lui. Oh, c'est génial. Il a fait la... Et là t'entends la chasse d'eau. C'est qui? Mais en fait, il y a un truc par terre, je crois qu'il y a un truc. Non, c'est un truc d'évacuation, ouais. Là, comme au début là. D'accord. Y a quelqu'un? Y'a personne? Bon, y'a personne alors. Y a personne, on va dire qu'il y a personne. D'accord. On reviendra pas. À demain. Oui, je ferme derrière moi. Hein. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains. Et tu peux te sécher les mains peut-être. D'accord. Le truc, il t'aspire. Voilà, c'est ainsi qu'on passe à 3 minutes dans les chiottes des mecs.
J'ai déjà passé plus de temps. Attention, attention. C'est bon, t'as l'air pas, c'était une blague. C'était du pré-shoot. On nous dit d'aller dans la cour intérieure. Normalement, il y a la tour de l'horloge. Oui, il y a la clock tower. Oui, oui. Et clock tower. Là, on a des indices pour la suite. Ah. La cour intérieure, là où il y a tous les monstres. Oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Et là, il est en bas à droite, le clock tower. Absolument. Courtyard, oui, et chercher les indices. Qu'est-ce que tu manges, tour de l'horloge à droite. Du fromage. Du caca. Du tabac. Non, c'est pas du fromage, je sens plus. T'en as bien de la chance. Nous. Eh ben, je vais le faire d'ici. Non, mais c'est celui de Léa qu'il faut manger. Ah, pardon. Tu veux que je te donne la béquille ? Oh oui. Alors. Aidez-moi une vraie femme. Quoi ? Tu vois Clock Tower ? Ouais. Elle est juste à droite. Cours ! Juste à ta droite. Go, go, go ! Prépare-toi. Non, mais il faut tuer quand même les mecs. Non, faut pas tuer les mecs. Allez. Il y a rien là. À droite. C'est là. Là, ouais. Okay. À gauche. À là, droite, voilà. Non, à droite. Là. Il nous faut la clé. 10 heures. Ah, c'était quoi 10 heures? Il fallait faire quoi à 10 heures? C'est le site de streaming musical. Il fallait faire quoi à 10 heures? Bien joué. Bah, retourne là-dedans, ouais. Ouais, va te cacher, ouais. Ah, ah, mais foutez-moi la paix. Oh là là. Mais regarde, c'est les jumeaux dans Olivier Tom, ils font les attaques en même temps. Mais défonce-le, au pire. Non. Non, il veut rentrer. Non, il est non, il préfère foncer dessus et se faire sucer la queue. Oh là là, c'est porno ce jeu. Ah mais c'est mort là, je pense que... Ah ouais, ça va. Non, on a encore un kit de secours, c'est bon. Casse-toi. Regarde, il te regarde même pas, casse-toi. Ah mais putain d'escalier, mais sérieux, mon pire ennemi, les escaliers, quoi. Oh mon dieu, je suis une gloutonne. C'est Silent X, en fait. Silent X. Silent Hills aime bien le sexe. Bon, alors il faut trouver une clé. Non, d'abord il faut voir ce qu'il dit par rapport à 10 heures. Ah ouais, c'est le premier, je crois. Et bah, qu'il a toute la musique en illimité. J'ai déjà fait cette blague. Cette blague a déjà été faite. Je voulais la refaire. Non, il faut essayer de trouver comment faire une blague sur Spotify. Ok. Ça va être plus dur, Spotify. Trouver les escaliers, monter à l'étage. Ah, tu vas devoir aller à l'étage. Après, je dis pas la suite pour laisser un peu. 10 heures, laboratoire d'alchimiste. Ah, bah voilà. Il faut que tu ailles au labo d'alchimiste sur le plan. Regarde le plan. Ouais, c'est le labo de chimie en fait. Ça a été tellement. Ouais, merci, on le sait, ça va. C'est... Et donc, mais c'est... il s'appelle Al. Et donc, c'est en haut, puisque là, ça n'y est pas sur ce plan. Bah, donc, ça doit être à l'étage. Bah, donc, monte. Faut... Non, tu peux monter là ou. Non, il faut que tu sortes. Non, mais regarde, il y a des flèches bleues en haut et en bas. Bah, c'est les sorties, ça. Non, 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 il a raison. Remets le plan. Remets le plan. Oui, je suis sur le plan. Il a ah. Raison. Non. Chemistry Lab. Ah, equipment. Le deuxième, regarde. Chemistry Lab. Chemistry Music Lab. Room. Il faut que tu repasses. Regarde, remets en bas. Remets le premier. Mettre au niveau de t'as une chambre de musique, une salle de musique, non, non, si tu veux aller jouer un peu de guitare. Rez-de-chaussée. En fait, il faut. Je vais à gauche et je monte. Non, il veut voilà, pas. Tu vas à gauche. Ou alors à droite, et y en a tu remontes encore. Tout en haut. À non, droite, il peut pas. Il n'y a pas la flèche sur les portes. C'est-à-dire qu'elles sont fermées. Donc là, tu vas à gauche, là, quand tu sors. Ça veut dire qu'il les a pas testées sur tous les. Les portes. Non, c'était fermé, je pouvais pas aller à droite. Là, là ? Non, à droite, c'était là. Fermé que d'un côté, ah, d'accord. En fait. En Corentin, on ne mange pas du fromage. Il n'y a que Léa qui mange du fromage. Oui, nous, on a mangé des bonbons. Ils étaient vachement bons. Tu vas... Attends. Ah, voilà. Attention, des escaliers, ton pire ennemi. À gauche, qu'est-ce que tu fais ? Non, va au sous-sol. C'est vraiment bon. Teste non. Le sous-sol, c'est plus marrant, le sous-sol. Non, mais il faut aller au Chemistry Lab. Ah, c'est un faux sous-sol. Ah, c'est un four. Oh, merde, il y a Freddy Krueger dedans. Non mais là c'était pas drôle là. Non mais là quoi. C'est grave là. Fred tu sors. Mais pourquoi? Un four Freddy Krueger. T'as fait un four Fred. Ici là c'est bon ça j'ai bien compris. Si non si, pas moi du je tout. L'avais moi je l'avais. Ah merci. On avait tous compris mais c'était pas drôle. Mais si. T'as jamais vu un Freddy de ta vie. Mais c'est pas pour autant que je sais pas qu'il sort d'un four. Mais il sort pas d'un four. Voilà. Mais il a été brûlé. Il a été brûlé dans je sais plus quoi là. Bah dans un four. Dans un four. Dans un four. Non. Ils ont fait des croissants dedans. Non, c'est pas dans une école. C'est dans une. Chocolat. C'est le mec qui s'énerve. Des chocolatines. Ah non non. Ici c'est des pains au chocolat. Dans une usine. Chaudière. Voilà. Voilà, tu vois, c'est pas. C'est un jeu, mais pas chez dans une école, il me semble pas. Hein. C'est dans non, une, c'est dans une usine. J'ai pas dit que c'était dans une école, c'est Reldric qui a dit ça. C'est une école maternelle. Léa, on s'en fout de ce que tu dis. Alors attendez. Non, homme n'est pas en panique, c'est faux. Oh putain, t'es à côté. J'espère pour toi qu'il faut pas faire le grand tour. Donc, là, bien gauche, sûr qu'il faut pas faire le grand tour. Non, là tu peux rentrer, j'en suis sûr, regarde. Voilà.
Vous êtes vraiment des salauds. Il y a des gens qui écrivent chocolatine sur le chat. C'est pas celle-là. Ça va plus là. Attends, il y a des gens qui écrivent chocolatine. Non, non, ils demandent. En fait, ils écrivent pour savoir ce que ça veut dire, ils connaissent pas. Il y a des monstres. C'est sûr? En tout cas, il est pas à l'intérieur du placard, je pense. Ah, mais me fais pas baliser comme ça, toi. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Il pleut des capsules. Allez, vas-y. Avance, n'aie pas peur. Essaye de te déconcentrer. C'est pas parce qu'il y a une musique qui fait baliser que ça y est, il y a quelque chose. Hein. Non, regarde, tu as un peu d'eau distillée si tu veux. Que quand tu verras plus l'angle, tu seras caché dans l'angle de la caméra. Il pleut des... Elle envoie du caca. Jetez là cette femme, arrêtez, c'est pas possible. Elle envoie du caca sur Hob. Attends, vas-y, avance. Mais là, c'est qu'il y a rien, hein, t'inquiète. Hein. Non, les chocolatines, c'est pas les croissants. Tu vois, la musique, elle était là pour te faire flipper, mais à mon avis, y a pas de... Ça a marché. Un produit chimique. Oui. Ça te transforme en zombie, peut-être. Du glucose. Ouais, j'entends bien, parce que je suis en train de faire une crise d'hypo, là. Non, je suis diabétique, merci. Allez, tu peux sortir. La clepsydre, sors la clé. Il y a un truc, là. C'est juste un... T'as un fusil à pompe, ça? Non, c'est un tableau d'anatomie humaine. C'est naze. Ah, une poubelle triangle. Non, c'est juste pour remettre des... Ah. C'est à côté. À gauche. Ça, là, Connor. Ça arrive. Oh. C'est un ours en peluche. Ouais, bah, il avait qu'à pas se pointer. C'est Ted. Un ours en peluche avec des griffes, quand même, énormes. Alors, regarde. Non, c'est derrière. La musique s'est arrêtée, tu crains plus rien. Le laboratoire d'alchimie. T'as raté la porte. C'était trois salles qu'on avait la musique pour. Ah, mais pour ça. Donc il est derrière. Est-ce que tu vois la porte? Derrière toi. Là, juste à côté des casiers, à mon avis. Voilà. Prends une grande inspiration. Non, mais non, n'aie pas peur, à mon avis, y'a rien là. J'espère que c'est pas une épreuve dans l'eau. C'est bon, il s'est retourné, on aurait dit un Terminator. Non, t'inquiète. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? T'énerve pas. Il faut chercher un truc donc, hein. Mais y'a pas des choses qui disparaissent là? Y'a pas un Space Invader au mur là? Oh, y'a une main, regarde. C'est une main? Approche-toi, tu vas voir. Approche-toi. Prends des munitions d'abord. Moi, dans mon lycée, dans les labos de physique chimie, y'avait pas des balles. Hein. C'est une boîte à pizza ça? Qu'est-ce que tu dis toi, boîte à pizza? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Non, t'énerve pas. J'entends un bruit étrange. C'est la chose. À mon avis, il faut que tu mettes l'acide dessus pour la faire fondre et récupérer. Produit chimique, tu veux dire? Ouais, produit chimique. Et comment tu fais ça? Tu vas dans le menu. Tu viens de passer le produit chimique, Kiki. Il voulait faire le tour de ce qu'il avait comme produit, ok. Use. Tu crois que c'est une bonne idée? C'est bon. Tu peux récupérer le badge. Médaillon d'or. Vous prenez, bien entendu. Bobby. Alors, sur le chat, un peu. Et donc là, on peut rentrer dans la tour de. Ils étaient en train de faire des blagues. Et... Tour de l'horloge à 10h, faut ramener le médaillon d'or donc. Ouais, maintenant il faut que tu ailles. Oh là là! Attention, il va te sucer la bite! Mais en fait, c'est pas un ours, il a une tête de foune. C'est une top. Une tête de fouine, tu veux dire. Mais t'as jamais joué. Non, mais t'as jamais joué à Silent Hill, parce que c'est toujours comme ça, hein. Il a une tête de foune. T'as jamais vu, non? Ouais, j'ai eu peur. De fouine. Bon. De fouine, oui. Bien entendu, voyons. Il est pas mort. Bah non, il faut les... Il se relève si tu les achèves pas, en fait. Fatality. Oh. Humiliation. Fatality marseillais, ça. Fatality. Oh. Ah, combo breaker. Ah, combo breaker. Pourquoi tu parles comme Zelle? Finishima. On parle à chocolatine. Les chocolatines, il y a l'ovo maltine aussi. C'est vrai. Ok, mais ça a aucun rapport. Non, mais je lis les gens. Donc, faut que tu redescendes alors. Et que tu ailles. Attends, il y a encore des pièces là. Et il y a tête de foufoune aussi, ça a fait rire. Tête de foufoune. Ah. La foune et la flore, quoi. C'est ça. Moi je te propose. J'ai fait rire Jorus. C'est quoi? Ce que je te propose, c'est d'aller en bas, Hob, et de te cacher jusqu'à ce que le jour se lève. Continue la prochaine fois. C'était pas jusqu'à 23h le live? Waouh, il est 1h40. Ça nous fait 1h40 de live, ce qui est pas trop mal. Je pense que tu devrais aller sauvegarder quand même. Attends, voilà. Mais d'abord, balance-lui un bon coup de pied dans les couilles. Qui se relève pas?
Ouais, juste... mais il a Tony Glandil. Eh oui. Je vais juste visiter cette pièce-là. Et là ouais bon, je vais juste sortir de cette pièce-là. Là aussi. La radio, la radio, la radio, la radio. Il y a une trousse de soins, Kiki. À moins que ce soit un bouquin. La maniabilité, ça passera pas par moi. Un vagin avec des dents, oui, c'est le film Tiss ou un truc comme ça, non? Ouais, avec Megan Fox. Non. C'est pas ça? Non, c'est pas. Ah non, elle c'est dans autre chose. Non, elle c'est machin body là. Jennifer's body. Ouais. Qu'est-ce qu'il était bidon ce film? Ah, il est là. Ah mais c'est des petits trucs là, c'est ça là. C'est un pingouin? Oh, c'est un pingouin. Pourquoi il y a un fantôme c'est de pen pingouin? Pen. C'est pingouin. C'est des bébés. Cassez-vous. C'est des enfants fantômes. Lui, non, mais c'est pas des enfants, c'est des pingouins ça. Des bébés fantômes. Mais c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. C'est mignon les bébés fantômes. Et il a pas un couteau sur lui là? Mais c'est mignon, mais ça fait peur quand même. Oh là, t'as vu, tu l'as vu, tu l'as elle vu. T'as pas vu, elle t'a pas vu, elle. T'as les initiatives. C'est bon, regarde. T'as les initiatives. T'as les initiatives de foncement, la tête de foule là. Alors. Allez, qui c'est le plus fort là? Ah, on fait moins la maline là. Hein. Il en perd ses poils. Putain, quel DVD tech. C'est du brillant, Frédéric. Ta gueule. Ouais. Ouais. On en a raté plein depuis le début, je pense. De quoi? Titre. Ah. C'est ouvert. C'est ouvert. Hein. Titre. Tu sais, il marque, il est fermé, mais c'est ouvert. C'est ça. Un petit pois. Une grenouille. Non. Hulk. Je vais sauvegarder. Tu vas sauvegarder, hein? Bah, t'as pas l'air pressé, hein. T'as pas l'air pressé d'aller sauvegarder. Allez, je vais sauvegarder. Monte à l'étage. C'est vrai qu'il fait 8 millions de degrés ici quand même. De quoi? Non, j'avais juste envie que tu arrêtes. Ah, d'accord. Je trouve qu'elle se la pète un peu trop celle-là. Non, attends, dès qu'on va finir le live, on va la défoncer. On va la défoncer dès qu'on va finir le live, tu vois. Titre? On dirait Amy la dernière fois qui dresse Fred. Non, fais pas ça. Personne ne le dresse. C'est faux. C'est triste. Non, tu étais là, non? Non, c'était à l'infirmerie. Attends, c'est l'école Jules Ferry, je connais comme ma poche. Hein. C'est le collège offline de Twitch. Comment? On a une offline de la vidéo de Twitch. Oh, putain. Bah, c'est pas grave, on a l'enregistrement là. Voilà, on save. Vous ne ratez rien, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on a l'enregistrement offline. Qui a dit qu'on pouvait pas sauvegarder infiniment? Je comprends pas. Si, il y en a après qui ont corrigé. Ah bah merci de nous le dire. Je n'ai plus de crayon pour sauvegarder sur le bloc-notes. Non, tu sais, tu le tailles à chaque fois. Deux secondes, tu nous dis quand c'est re-en ligne? Oui. Pour le moment, non. Le chat est toujours en ligne. Mais bien sûr. Donc, il y a combien de Silent Hill? Ils en sont 5 Non. Bah, en fait, il y en a un qui n'a pas de titre. Il y a le Homecoming qui n'a pas de numéro en fait. C'est le premier? C'est comme un... Non, le Homecoming. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de titre. Parce qu'il y en a bien. Il y en a bien. Resident Evil, il y en a plein qui n'ont pas de titre. Bah si. Il y a le code Veronica. Bah, c'est un titre. Mais ça, c'est pas des titres. Non, d'accord. C'est pas les numéros, si tu veux. Ah, mais c'est pas des titres, c'est des numéros. Parce qu'il me semble qu'il y en a 3 sur PlayStation 2. Moi, j'ai le. Ou il y en a 2 sur PlayStation 3. Je sais plus. Le Resident Evil Collector avec les Resident Evil sortis sauf le 1. C'est un boîtier avec le 2, le 3, The Room aussi, je crois qu'il y a. The Room, The Room. Oui, il y en a un qui se passe dans une pièce. Avec Bernardo Silent Hill The Room, et en fait, t'as une horloge, et quand tu bouges l'horloge, du coup, t'es à un autre moment dans la pièce, et les choses changent dans la pièce. C'est vrai ou c'est des conneries ou pas? Non, en fonction de l'horloge. D'accord. J'ai rien compris. Si, si, moi j'ai compris. Moi, si, donc c'est ça, il y a bien 3 Silent Hill sur PlayStation 2. Non. Mais c'est vrai que moi c'est le 1 qui m'a le plus marqué après les le autres. 2, le 2 était très bien. Après il y avait des fins alternatives. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 fins, dont une avec des extraterrestres qui étaient. Ah bon? Non, c'était vraiment du gros n'importe quoi. Je vais aller voir le Twitch. Le split, pardon. Tant mieux. Donc, après, ouais, Silent Hill, c'est quand même une, on va dire un des concurrents directs de Resident Evil. C'est hein. Totalement. Il y a Alone in the Dark qui a essayé de faire 2-3 retours, bah, mais. Je trouve qu'Alone in the Dark se rapproche plus de Silent Hill justement. Silent Hill. C'est plus l'inverse. Silent Hill se rapproche plus. Il y a une baisse de connexion chez Twitch en fait.
Oui, parce que... Ça fait deux fois que ça fait ça juste quand on termine un live. C'est bizarre, hein. Ils doivent le sentir. C'est The Room. Ah, donc voilà, donc c'est bien ce que je disais. Ce qui est aussi sur PlayStation 2. Ah, donc c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Et après, ouais, pour les films de Silent Hill, il y a le 1 qui a été réalisé par Christophe Gans, qui est le réalisateur, entre autres, du Pacte des Loups, qui est une assez bonne adaptation de film en jeu vidéo. Et sur Current Gen, tu as Silent Hill Downpour, Homecoming, après t'as les HD. Downpour ? Downpour. Ah, Downpour. Je croyais Downpour, le caca du crépuscule, quoi. Shattered Memory sur Wii. Ouais. C'est vrai. C'est pas moi qui mange mon caca, hein. Ah, les amis ! Vous nous entendez? J'espère que oui. Il y a eu un problème avec Twitch, ça vient pas de nous, ça vient de Twitch. Alors on a décidé de sauvegarder à l'infirmerie, donc du coup vous n'avez rien manqué. Vous n'avez rien manqué du tout. Qu'est-ce qui se passe? Approche-toi pour qu'on ne voit pas. Donc du coup vous n'avez rien manqué, oh bah sauvegarder, donc on va s'arrêter là. Et on va continuer la prochaine fois. Ça marche. Donc tu vas continuer la prochaine fois. Est-ce que tu commences à avoir quand même là un peu plus l'habitude? Non, vraiment pas. C'est super dur le gameplay. C'est fou, ça. En inversant les caméras, c'est super ça relou ça fait quoi. Plus d'une heure et demie que tu joues. J'ai l'impression de jouer bourré. Eh bien, ça tombe bien, j'ai un alcotest sur moi. Non, mais effectivement. Ah bon, après tu as du mal à aimer la manière. Mais qu'est-ce que tu penses du jeu en lui-même? Bah, le jeu a une bonne ambiance. Parce que là, t'as rien vu. Ouais, non, mais ça fait flipper. C'est vrai que c'est bien foutu. Les musiques sont vachement bien foutues. Surtout avec une Léa dans la pièce, ça marche bien. Ouais. Donc, pensez à lui mettre une torgnole hors antenne. Non, c'est vraiment bien foutu. Même si les graphismes sont dépassés aujourd'hui, l'ambiance est là. Et bon, ça marche, quoi. Ah oui, bah, comme je te dis, tu n'as encore rien vu. Et on va continuer la prochaine fois. C'est quand la prochaine fois? C'est ce que les gens demandaient. Alors, la prochaine fois, je ne sais pas, puisque avant le prochain live sur Silent Hill, il y aura la prochaine émission de Saturday Night Player. D'accord. Donc vous allez avoir une émission de Saturday Night Player avant le prochain live. Bon, d'ici 15 jours, 3 semaines. 15 jours, je serai pas semaines. Là. C'est pour ça. D'accord. À la fin de la blague, tu sais, quand il faisait c'est quand le prochain? D'accord. Eh bien, on ne te dira pas. On t'invitera à barbecue à la maison. Tu seras prêt. Au fait, ça marche. Il y a un barbecue chez moi, tu te souviens? Oh non. Donc voilà. Bon. Je pense qu'ils vont avoir une émission de Saturday Night Player avant d'avoir la prochaine émission, le prochain live. Voilà. Très bien. Bah écoutez. Prochaine émission de Saturday Night, on vous communiquera la date très prochainement, je pense, dans la semaine. Ça marche. Bonne soirée à tout le monde. Dormez bien. Salut à tous. Ouais. Bonne nuit à tous. Cédric qui a perdu son téléphone ce soir. Nous sommes désolés. Une pensée merci pour lui, mais merci de rien. Hob. Mais merci. Merci bravo, à moi. Et bravo, Hob, surtout. Merci à Léa pour merci le. À Léa, merci à Léa. Animé ce soir. Merci beaucoup. Merci Léa. Et Léa qui joue dans quelle série déjà? Street Bike. Noob. Noob. Elle joue dans Noob aussi. Elle joue dans Noob aussi, c'est vrai. Non, c'est faux, pas dans la série. On vous fait à tous donc de très très gros bisous, les amis. Bonne nuit. On vous dit à très très bientôt pour un prochain live, pour un nouveau live et surtout pour une émission de Saturday Night Player. À très très bientôt. Bonne soirée. Bonne nuit.